Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah, écoutez, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. C'est euh, la première sur YouTube, la première émission parlons Chien. D'habitude, je le suis sur, euh, sur Facebook, et, euh, où il y a à peu près 5000 personnes qui suivent l'émission. Mais euh, voilà, donc euh, vous pouvez venir dans le direct poser toutes vos questions c'est maintenant on est là ensemble pour passer et euh, eh bien on va dire une bonne heure une bonne heure d'émission où vous allez pouvoir poser toutes les questions sur les problématiques d'éducation ou de comportement que vous rentrez euh, que vous rencontrez pardon avec vos poilus donc n'hésitez pas à le faire euh, voilà donc euh, écoutez pour ceux qui sont là euh, bienvenue à vous donc euh, vous posez vos questions sur les problématiques que vous rencontrez avec vos chiens que ce soit un problème euh, bah, on va dire tout simplement d'éducation de comportement un problème il euh, euh, y, a, y a plein d'alimentations. Euh, voilà. Euh, bonsoir Florence. Euh, euh, meilleur vœu également. Merci d'être euh, connecté parce que, encore une fois, je le dis, c'est la première sur Facebook. Donc, je fais un essai. Euh, pas sur Facebook, pardon, sur YouTube. Je fais un, ex, un essai. Euh, ce qui n'est pas très simple finalement parce que, parce que j'ai des habitudes plutôt avec Facebook et où il y a beaucoup d'interactivité euh, euh, lors de mes émissions. Et donc, euh, donc voilà. Donc, si vous avez. Euh, euh, eh bien, partagez, dites à vos amis de venir poser leurs questions, c'est gratuit et, euh, et puis ils reçoivent des émissions tout simplement en direct. Euh, euh, voilà, je vais leur expliquer pourquoi ils rencontrent ce genre de problème et puis comment euh, le résoudre. Bien, euh, euh, voilà, ben voilà Grégory qui euh, qui arrive, super. Euh, donc, euh, bien, écoute Grégory, euh, hop, on va afficher ta question comme ça, tout le monde peut la lire. Voilà. Euh, donc Grégory qui me dit, bonsoir, nous avons un chiot caniche de trois mois. Elle grogne sur ma femme lorsqu'elle lui dit non, en la repoussant et en et grogne aussi pour la gamelle. Pouvez vous nous aider, s'il vous plaît? Eh bien oui, euh, Grégory, je vais t'expliquer pourquoi tu rencontres ce genre de problème. Euh, là, bon, déjà, euh, ton canet corso, eh bien, trois mois, c'est un bébé. La convenance, c'est que ta femme a tendance à aborder une posture, euh, une attitude plutôt agressive. Tu sais, euh, les chiens, en, en termes de communication, on, vont analyser les mimiques faciales. Donc, quand tu fronces les sourcils, euh, tu dégages aussi de l'agressivité. Donc, euh, tu vois, tu, tu es dans un système où euh, la posture de ta femme, qui va vers le chien en lui montrant le doigt, euh, etc., euh, en étant penchée dessus, en criant, et puis, euh, et puis parfois en s'énervant, eh bien, va faire que euh, le chien va interpréter ça comme une agression ou quelque chose, une source de conflit, et tout simplement cette source de conflit va induire le chien en erreur et elle va commencer effectivement à répondre en grognant. Il ne faut pas oublier que vous êtes son référent et que euh, le chien est ce que vous êtes, ou en tous les cas ce qu'il rencontre en face de lui. Si toi, tu... Euh, si ta compagne est agressive avec avec le chien bah logiquement la chienne va se mettre en face et lui dire OK bah je comprends et donc dans ce cas-là je reproduis exactement la même chose euh, voilà tu as compris donc idéalement en réalité il faut pas s'énerver avec le chien si tu si ton chien fait une bêtise. Ça peut arriver qu'un chien fasse une bêtise. Encore une fois, euh, enfin, encore, euh, faut-il comprendre que la bêtise, c'est pour vous. C'est-à-dire que le chien n'a pas tendance, en réalité, à faire une bêtise parce que lui, il ne sait pas que c'est une bêtise. Tu comprends Donc, il faut plutôt expliquer à son chien ce que l'on attend de lui en lui montrant, tout simplement, euh, euh, avec euh, avec des actions. Clair, simple, sans s'énerver, sans crier, sans être dans, dans le conflit, euh, pour faire en sorte que cela fonctionne. Voilà. Euh, maintenant, pour l'histoire de la gamelle. Eh bien, souvent, quand un chien se met à grogner au niveau de la gamelle, eh bien, c'est simple. Il grogne parce que les gens quelque part ont lu qu'il fallait mettre la main dans la gamelle. Et c'est une absurdité absolue. Pourquoi Bah, parce que la gamelle, si tu veux, c'est une ressource. Et donc, et donc, cette ressource, elle va, elle va tout simplement. Euh, être menacé par la personne qui va mettre la main dans la gamelle. Donc, au bout d'un moment, en fait, tu conditionnes le chien à devoir protéger sa ressource au lieu de le laisser tranquille. Donc, en fait, en réalité, il faut jamais mettre la main dans la gamelle. Maintenant, pour aider les... à éviter justement ce genre d'attitude au moment de la gamelle, eh bien, il faut que la personne ou les personnes qui passent près de la gamelle rajoutent quelque chose dans la gamelle pour faire en sorte que le chien ne, ne vous voit pas comme quelque chose de négatif, quelque chose qui en voudrait à sa ressource. Donc… Euh, quand il y a la gamelle, et bien tu, tu vois, au lieu de donner… Alors, je ne sais pas si tu es en croquette ou autre, mais au lieu de donner, par exemple, une dose de… Je ne sais pas si tu es, on va dire, aller peut-être à, à 100, 100 grammes, et encore, je suis même pas sûr à ce âge-là, eh bien tu vas retirer un tout petit peu et puis à chaque fois bah tu vas lui rajouter comme ça ton chien il aura plus de problème là-dessus. Allez on continue avec euh, une question de Florence qui me dit ma chienne berger allemande de 12 mois euh, claque des dents euh, quand on fait des exercices d'obéissance par exemple euh, quand elle ah il y a une suite pardon quand elle alors hop je reprends la suite euh, quand elle monte en pression elle fait ça euh, dois-je la euh, ça, euh, elle fait ça, dois-je la corriger, euh, enfin, dois-je corriger cela, euh, dès qu'elle doit gérer mes émotions, euh, dès qu'elle doit gérer ses émotions, pardon, elle fait des claquements dedans. Alors, euh, d'abord, il y a deux choses. Euh, il faut le savoir euh, que tu as... Euh, euh, des chiens qui montent en excès, comme tu le dis, qui montent en pression et vont avoir tendance à, effectivement à claquer des dents. Et c'est le cas souvent, par exemple, avec des chiens issus de, de souches de travail, ce qu'on appelle le travail, travail mordant très souvent, et, et, euh, et les chiens, on, on va avoir tendance à claquer. C'est ce qu'on retrouve assez souvent, par exemple, avec les chiots malinois qui sont issus de, chou, de souches de travail. Mais en réalité, ce qu'il faut que tu fasses... Ne rentre pas dans un schéma conflictuel avec ta chienne lorsqu'elle claque des dents parce qu'elle monte en pression. Détourne-toi d'elle ne la calcule pas, tu vas voir, elle va, elle va redescendre rapidement en pression. Par contre, ça ne t'empêche pas, justement, en termes d'éducation, de la canaliser et de lui apprendre ce que l'on appelle la, la frustration. Donc, pour ça, n'entre pas dans une phase de conflit, tu vas asseoir ta chienne, tu vas détendre ta laisse, lui dire que c'est bien. Et si tu vois qu'elle monte vraiment en pression, qu'elle s'excite, eh bien, arrête d'être dans, dans une phase, effectivement... Euh, euh, D'interaction ou d'interactivité avec la chaîne, et tu vas voir qu'elle va redescendre en pression. Par, je te donne un exemple, mais, mais, mais tu vas voir. Tu peux essayer, là, tu euh, ta chaîne à côté de toi, par exemple, et bien, commence à la stimuler avec des gouzi-gouszi, tu vois, les, ce qu'on appelle le baby talk, en fait, tu lui parles, tu dis, oh ma doudouille, ma nanana, et tu vas voir, elle va monter en pression, elle va s'exciter. Eh bien, elle monte en pression, détourne-toi d'elle, croise tes bras, ne la regarde plus, transforme-toi en pierre et présente-lui simplement ton dos. Et tu vas voir, euh, ben, au bout d'un moment, pouf, euh, ça, ça va durer quoi 10, grand maximum 20 secondes en fonction du chien, comment il a été conditionné. Et puis après, il s'en va. Alors le but, évidemment, de la manœuvre, c'est qu'à chaque fois que le chien monte en pression, tu fais ça, et tu vas voir, on est, admettons qu'à l'échelle, on est à 20 secondes, et eh bien au fur et à mesure, on va passer à 15, puis à 10, puis euh, au bout de quelques secondes, tu vas te détourner, il va partir parce que tu. Tu as un chien qui aura compris euh, ce qui se produit. Alors, euh, Grégory, euh, évidemment, de rien. Ça me fait plaisir de répondre aux, aux questions. Euh, N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi euh, communiquer à vos à vos amis, à vos connaissances euh, le fait qu'il existe une émission. Alors encore une fois, je le dis, pour moi, c'est une grande première sur euh, sur euh, YouTube parce que euh, j'avais pas l'habitude de faire des émissions en direct sur la chaîne YouTube. Mais finalement, euh, euh, comme comme le dit euh, une amie YouTubeuse euh, qui est la vilaine mémère, eh bien euh, euh, dont j'ai fait une émission hier avec elle, euh, eh bien, eh bien euh, euh, le, 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 le truc est intéressant. C'est vrai que moi j'étais plutôt adepte de Facebook et effectivement j'avais des habitudes avec des gens qui venaient se connecter sur Facebook et c'est beaucoup plus simple. J'ose espérer que que mon, mon les gens de Facebook vont venir se greffer sur sur le live ici euh, présent et, et puis venir poser leurs questions comme ils le font sur Facebook. Euh, après euh, euh, je vous cache pas que pour moi encore une fois je le dis c'est 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 une nouvelle méthode de de, de 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 visionnage pour les gens et, et d'assistance des gens donc euh, donc, euh, donc voilà mais à un moment donné effectivement faudra faudra euh, euh, faudra que je, je modifie un peu tout ça donc euh, donc voilà euh... Alors, euh, tu vois, Florence, elle me confirme. Tu vois, euh, pardon, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Voilà, Florence, effectivement, me confirme. Oui, elle vient d'une grande lignée de chiens de ring. Voilà. Donc, si tu veux, c'est tout à fait normal, euh, euh, Florence, parce que, encore une fois, le, le chien de ring est un. Est, est, si tu veux, c'est des chiens qui sont habitués à mordre. Donc, on sélectionne euh, dans, dans les les, les, les origines des chiens qui sont des chiens de travail et par conséquent quand c'est des chiens de travail qui sont qui sont euh, euh, si tu veux extrêmement euh, euh euh, sélectionnés par ça, hein, c'est-à-dire on les recherche pour cette qualité euh, de de tenacité, euh, d'activité, de sportivité, et puis bah effectivement bah au fur et à mesure tu sais à force de sélectionner, 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 eh bien tu as des des des, des chiots qui euh, vont avoir effectivement tendance à avoir cette mâchoire qui claque, mais mais pas d'inquiétude et ne te prends pas la tête avec ta chaîne, redescends en pression toi aussi, calme-toi, ne la calcule pas et tu vas voir que d'elle-même elle va redescendre en Fais des essais, tu vas voir. Tu fais un essai devant. Euh, là, tu, tu vois, tu peux essayer tout de suite. Il y a ta chaîne à côté de toi. Tu le fais et tu vas voir qu'elle va, elle va être beaucoup plus, euh, plus simple. Euh... Alors, euh, j'ai une pardon. J'essaie de suivre en même temps. Alors, euh, Grégory, j'ai suivi ce conseil de Lévy avec le BBS, donc le berger blanc suisse, euh, que j'ai adopté. Et en effet, en arrêtant mes, mes froncements de sourcils, être euh, au-dessus du chien, le doigt tendu, etc. Bah oui, effectivement, ça se calme. Bien sûr, mais c'est évident. Euh, bonsoir, euh, bonsoir. Euh, alors. Euh, Bonsoir euh, Fanfan, euh, n'hésite pas à poser euh, tes questions. Alors, tiens, il bah, y a une question qui est arrivée. Euh... Ah, oui, oui, bah, oui il, 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 il évite d'aboyer dessus, effectivement, euh, au, au moment de... Il a cessé de m'aboyer dessus au moment de manger. Oui, mais encore une fois, c'est très important, je le dis, je le précise. Dans le monde du chien, les chiens n'interprètent pas les choses comme vous. D'accord il est, il est dans son monde de chien, avec un fonctionnement de chien, avec... Une analyse de chien qui n'est pas votre analyse. Lorsque euh, vous criez sur le chien, eh bien, il faut le savoir que comme le chien rapporte tout à son monde de chien, bah, en fait, eh bien, c'est simple, vous aboyez. Lorsque vous aboyez, vous êtes dans un schéma, euh, entre guillemets, d'agressivité. Lorsque vous Êtes euh, euh, en plus, lorsque vous criez, vous vous énervez, et eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Et dans le monde du chien, et eh bien quand on n'est pas sûr de, 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 de soi, entre guillemets, et eh bien on va être dans un schéma qui est complètement différent. Regarde, prends exemple, tu as beaucoup les petits chiens, les petits roquets, ce qu'on appelle les roquets, hein, tout simplement, et eh bien qui ont tendance à être des gueulards, euh, etc. Parce que d'abord on leur laisse faire plein de choses, et puis ensuite de ça, bah, comme ils ont un peu les pépettes sur, euh, par rapport à des choses, eh bien, ils sont gueulards, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais quand on, on est dans un schéma, de, euh, si tu veux, gueulard, ben effectivement, on est, on est euh, comment on appelle ça, on a tendance effectivement à ne pas être dans, euh, euh, dans quelque chose de sûr. Donc, dans le monde du chien, vaut mieux paraître calme, vaut mieux être, être disposé à plutôt Expliquer à son chien nos attentes, il n'y a pas besoin de se précipiter, de courir, de crier, de s'énerver. Je vais te donner un exemple. Tu, tu, tu vois, tu as des gens qui ont des chiens sur le canapé, euh, qui, ont, qui, qui montent sur le canapé. Les gens ne veulent pas que le chien monte sur le canapé, alors ils lui disent une fois, deux fois, etc. Et puis ils ont tendance à s'énerver, à attraper le chien parce que par le collier ou par la peau du cou. Combien de fois on, on voit ça Eh bien, en fait, on ne fait pas ça. Alors, Beaucoup de gens ont, ont lu quelque part à un moment donné, ont lu quelque part euh, qu'il fallait attraper le chien par la peau du cou parce que la mère faisait ça, etc. Non, mesdames et messieurs, la mère ne fonctionne pas avec agressivité. Lorsque effectivement la mère euh, doit, euh, on va dire, apprendre à son chiot à avoir un bon comportement, eh bien, elle le fait avec beaucoup de délicatesse, avec aucune animosité. Elle vient se saisir de son chiot. Derrière les oreilles, elle le lève donc par la peau du cou, elle le soulève simplement, elle le lève et elle le lâche. Terminé, basta cosy. Parfois, il lui arrive de lui mettre un petit coup de museau, tu vois, pour, pour l'écarter, par exemple, hop, un petit coup de museau. Mais ça va pas plus loin et, 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 et toujours dans la bienveillance. Et, et, et nous, humains, lorsqu'on lit ça, on a lu quelque part que la mère faisait ça. Eh bien, on le fait, mais à chaque fois qu'on le fait, on est à, à, on est on est énervé, on est agressif, et donc le chien ne comprend pas ça. Et au bout d'un moment, bah, tu as un chien qui euh, euh, va t'empêcher d'approcher sa, sa peau du cou ou son collier parce qu'il n'a pas envie que, que, que si tu veux que tu le malmènes et tout simplement parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu fais ça donc tu agresses ton chien si tu veux euh, euh, si tu veux expliquer à ton chien quelque chose par exemple le fait qu'il monte sur le canapé tu n'as pas envie qu'il monte sur le canapé et eh bien il te suffit d'équiper ton chien d'un simple petit collier plat et ça c'est important tu vois un simple petit collier plat tu 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 lui fous correctement donc c'est-à-dire sous les maxillaires derrière les oreilles et serré de façon à laisser passer un doigt oui mesdames et messieurs c'est comme ça qu'on met un collier et puis ensuite de ça eh bien tu 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 tu, tu donc tu règles et tu enjoins une grande cordelette qui va remplacer la laisse que tu peux laisser au départ c'est pas gênant donc donc tu lui laisses euh, parce que une cordelette c'est pourquoi une cordelette bah parce que si tu lui laisses, au bout d'un moment, il va bouffer la cordelette. C'est moins grave qu'il bouffe une cordelette que que le fait qu'il bouffe tout simplement, tout simplement, il est comment on appelle ça Tout simplement, il est, il euh, est euh, euh, je veux dire, la cordelette va, va réduire d'abord deux choses. Ce n'est pas le même coup qu'une laisse. Et puis ensuite de ça, eh bien, ça si tu veux le chien, s'il euh, si, 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 si est dans un schéma de cordelette légère, eh tu vas pouvoir lui montrer tout simplement ce que tu attends de lui. Alors, regarde, par exemple, euh, 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 tu prends le, le chien, tu vois, il a la laisse, donc enfin le, la cordelette, tu attrapes la cordelette, tu le fais descendre en lui disant non, descend, et tu l'emmènes à sa place en lui disant non, descends. À ta place. Une fois qu'il est à sa place, eh bien, tu lui fais un câlin, tu vois, tu lui dis, c'est bien, loulou. Ton chien, il va vouloir vérifier ce qui se passe, il retourne tout simplement, euh, comment dire, dans le, dans le. Dans le, dans le, comment on appelle ça, merde, euh, dans le, dans le canapé, c'est pas grave, tu t'énerves pas, tu ne cries pas, tu reprends simplement cette cordelette qu'il a attachée à lui, tu le prends, tu l'emmènes à sa place et tu lui dis non, tu, tu vas à ta place. Et là, tu vas voir qu'au bout de trois fois, et eh ben ton chien, ça y est, il a compris, il ne monte pas sur le canapé. Par contre, par contre, tu as évité d'être dans, dans un schéma conflictuel, tu as. Euh, aussi également eh bien, euh, gérer ton chien. Tu lui as montré ce que tu attendais de lui et le chien, basta bah, il a compris. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que les chiens fonctionnent par système de tierces. D'accord Bon, il fait un truc tu rectifies le truc qu'il fait, tu vas le prendre, tu le fais descendre, donc une fois. Okay Ton chien va vouloir comprendre ce qui se passe, il va remonter sur le canapé, et toi, tu vas rectifier la chose, et puis hop, une deuxième fois, et puis à la troisième fois, il a compris, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est que tu as euh, dans, 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 dans le mode de fonctionnement des chiens euh, euh, une analyse qui, encore une fois, n'est pas la nôtre. Tu, toi, tu penses un truc mais le chien ne, ne, ne pense pas ce que tu penses tu vois il n'est pas il est pas ce que tu es toi tu es, il n'est pas humain d'accord et il va rapporter tout à son monde de chien donc lorsque tu penses faire quelque chose et euh, parfois tu espères que ça soit bénéfique et ben c'est pas forcément le cas voilà alors il euh, y, a, y a une question qui est arrivée euh, de quelqu'un ben, euh, est-ce que je suis je, je suis juif Qu'est-ce que ça vient foutre dans la question par long chien on se demande et puis euh, l'histoire de Tzal, bah, à la limite on sent pas les cacahuètes aussi parce que voilà c'est comme ça. Donc euh, euh, bref donc il y a, y a, y a quelques, quelques personnes qui qui ont des problèmes avec leurs chiens qui vont appeler des gens à droite à gauche et parfois effectivement on leur dit beaucoup de bêtises. Euh, je, je vois régulièrement par exemple sur les réseaux sociaux euh, des gens qui posent une simple question euh, euh, et, et tout le monde donne son avis. Alors et ce qui est marrant, c'est que tu as des gens qui te donnent leur avis, euh, mais qui, dans la même phrase, sont capables de donner l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont t'expliquer un truc et en, même temps, et en même temps, vont partir dans un schéma qui n'est pas, euh, 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 pas le bon. Quoi. Et, et, et les gens ont tendance à vouloir absolument... Ben, finalement, ils ne connaissent pas grand-chose, mais c'est pas grave. Leur référence à eux, c'est leur chien, donc ils vont expliquer ce qui est quelque chose qu'ils ont fait avec leur chien. Et en fait, ça marche pas tout le temps parce que c'est parce que comme ça. Donc euh, euh, oui, dans, dans, dans l'absolu, il faut absolument que, que, que vous vous adressez à des professionnels plutôt que sur des réseaux sociaux où parfois euh, euh, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Tu as des gens aussi qui ont des problèmes euh, médicaux avec. Euh, avec leur chien. Euh, euh, alors quand je dis des problèmes médicaux, soyons clairs, hein. euh, le, le, j'en sais rien, ça va être un truc. Mon chien, il a ça, mon chien, il a un bouton, mon chien, il a ci. Est-ce que vous avez une solution Est-ce que vous avez des conseils que... Mais attention, mesdames et messieurs, chaque personne, chaque chien, d'accord, euh, peut développer quelque chose de différent par rapport à un autre. Alors peut-être, oui, ça va se ressembler, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Et puis tu sais... Comme chaque chien est, est, est différent, évidemment, tu peux avoir effectivement euh, euh, plein d'autres choses qui peuvent, qui peuvent induire. Alors, Florence qui me met, euh, 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 désolé, je pense que le message n'est pas entier. Euh, mes deux chiennes tirent en laisse. Quand elles sont toutes les deux, une à gauche et l'autre à droite, individuellement, la marche est nickel. Alors, Florence, oui, individuellement, la marche est nickel, mais par contre, tu as un souci, c'est que tes deux chiennes se font, pardon de l'expression, mais se font un peu concurrence. Euh, ce qu'il faut que tu fasses pour avoir les deux chiennes qui, mar qui marchent au pied, c'est que d'abord, dans un premier temps, tu ajustes tes laisses correctement. Ça, c'est indispensable. Euh, euh, L'ajustement des laisses. Euh, moi, ce que je fais en général, c'est que, bon, je mets les chiens assis. Je règle mes laisses de façon à arriver à hauteur de mon bassin. D'accord? Pour pas qu'elles soient trop tendues, mais qu'elles soient pas trop leste non plus. Et puis, ensuite de ça, je vais marcher de manière naturelle. Et au départ, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser partir à l'erreur. Et au moment où elles partent à l'erreur, hop, je recule d'un coup de plusieurs mètres, mais je les maintiens de chaque côté, d'accord, de chacune de leur côté. Je recule parce que sinon elles vont se croiser. Donc tu recules, tu recules, tu recules. Et au moment où ils viennent à toi, tu repars en avant comme si de rien n'était. Et tu vas voir qu'au bout de trois fois, eh ben, tes chiennes, elles vont marcher correctement au pied. elles vont arrêter de se faire de la entre guillemets de la concurrence, d'accord. Euh, euh, donc euh, donc voilà, voilà, voilà. Il euh, y a autre chose qui est importante parce que je le précise. Euh, euh, c'est important parce que je, je vais avoir euh, la chance euh, dans l'émission d'avoir un, un vétérinaire qui viendra euh, régulièrement euh, pour développer une thématique et il sera avec moi hein, donc en, euh, de lui de son côté mais mais en, en sur le même écran hein, voilà et, et, et on, a, on aura un écran partagé et on pourra poser des questions alors l'idée évidemment c'est pas de poser des questions sur les soins à proprement parler parce que parce que il vaut mieux aller au cabinet vétérinaire pour faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les analyses, les vérifications nécessaires, etc. Non, mais on, on développera des thématiques, par exemple des thématiques euh, sur euh, comment fonctionne la, euh, comment comment vient la dysplasie, comment fonctionne le, la dysplasie, quelle, quelles sont les solutions, etc. Tu peux avoir par exemple sur sur tout ce qui est euh, les problèmes cardiovasculaires, euh, euh, les problèmes de de, de de monorchidie, les problèmes euh, de, de stérilisation. Vous voyez des trucs comme ça, donc, euh, donc oui, on, on pourra, on pourra faire, euh, euh, faire des choses intéressantes. Euh, ensuite, euh, Tintin Kiri qui me, raconte, euh, euh, alors, euh, qui me raconte un peu des bêtises. Voilà, euh, ben, c'est intéressant. Je veux savoir comment on traite les chiens en Israël. Et Mazaltov. Ben écoute, j'en sais rien comment on traite les chiens en Israël, j'y suis pas. Tu sais, il y a, euh, si tu veux tout savoir, parce que, parce que voilà, euh, moi, il y a très très longtemps que je suis arrivé en France et donc, euh, donc, j'ai, enfin voilà, j'ai pas vécu en Israël, même si j'y étais très peu. Euh, donc, euh, donc voilà, tout simplement. Et, et, et tu sais, moi, ça fait des années des années, euh, pour la petite info, j'ai 52 balais, je suis arrivé en France, j'avais 3 ans. Donc voilà, tu vois, je suis, je suis bien intégré, comme on dit, je suis français, j'ai servi la France et je je suis fier de, de, de l'avoir fait. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Euh, y a-t-il des modos ben pour le moment, mon ami, il euh, n'y en a pas euh, parce que parce que j'ai pas. Mais, mais j'espère qu'il y en aura, il y en aura, il euh, y, euh, euh, y en aura bientôt. Tu sais, j'ai pas ce problème là sur, sur Facebook parce que je je j'autogère. Et, et effectivement, tu as raison. Il faut, il faut que j'arrive à un moment donné à avoir des modos pour euh, ben pour, 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 pour chanter les, 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 les trucs un peu, un peu débiles qu'il peut y avoir. Mais bon. Euh, Écoute, comme je viens de démarrer simplement sur, 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 sur YouTube l'émission, bon, on verra ce que ça donne, mais, mais, mais oui, il faudra à un moment donné, à mon avis, arriver à trouver des modos, ça c'est sûr. Euh, J'ai euh, Talouip qui me dit euh, Merci pour les deux poilus, euh, Ne laisse. Euh, ce conseil va euh, m'être utile aussi merci Florence d'avoir posé la question oui toutes les questions alors vous savez mesdames et messieurs toutes les questions euh, même anodines, même ce qui qui, qui peuvent vous paraître euh, euh, parfois euh, aux yeux des autres ou machin euh, un peu con faut pas hésiter à les poser parce que euh, tu sais parfois euh, euh, effectivement tu as des gens qui n'osent pas poser la question et puis quand on arrive en face euh, euh, avec une réponse qui permet de mieux comprendre de mieux percevoir de mieux de mieux euh, euh, imaginer euh, ce, 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 comment fonctionne le chien eh bien en fait ça va tout seul tu sais je, je le dis tout le temps mais euh, tu as euh, euh, les chiens c'est il y a une petite part d'inné tu vois inné ça représente à peu près ça dans c'est 20 hein, de, putain j'ai du mal avec avec l'écran décalé donc c'est un peu ça euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur vie comparé à l'inné qui qui est, qui est, qui est gigantesque si tu veux. Et donc un chien qui, qui, euh, qui dans la vie, si tu veux, de, 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 de sa vie de tous les jours, il y a quelques trucs qui sont innés. Je peux t'en donner quelques exemples. Par exemple, un, un chien euh, un chien de chasse ou plutôt chasseur ou, ou ayant vraiment l'esprit euh, de, de chasse va avoir tendance par exemple à se rouler dans la merde. Je, je te donne un exemple comme ça, mais, mais pourquoi il le fait ben Parce que ça vient de leur côté ancestral, tu vois, depuis de très très nombreuses années. Bon, maintenant le chien n'est plus qu'il était, euh, puisqu'il y a eu quelques, quelques centaines euh, d'années, euh, on va dire de milliers d'années même, euh, euh, entre, entre l'origine même du, du loup par exemple et, et du chien actuel qui a été modifié considérablement. Mais il reste quand même dans, dans une partie euh, lointaine de leur gène. Euh, Quelques trucs qu'ils qu reproduisent et qu'ils faisaient leur, avec leurs lointains, lointains, lointains cousins. Donc, euh, le fait de se rouler dans la mer, c'est pour masquer son odeur, en fait. C'est pas, 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 pas parce que ça lui fait plaisir de se rouler dans le caca. Non, c'est juste que, en fait, quand, quand le chien est, 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 est se roule dans. Dans, dans le caca, eh bien, c'est que c'est pour masquer son odeur, parce que à l'origine la, à la, à de la prédation, eh bien, le, le loup masquait son odeur pour pouvoir atteindre plus facilement sa proie. Bon, ça, c'est une chose qui est, qui est gravée dans leur, dans leur gène ancestral. Autre chose, tiens, je te donne un autre exemple qui peut y avoir aussi pour le chien qui est. Euh, bon, vous êtes nombreux et nombreux peut-être à avoir des chiens, ou pas, mais enfin, sachez que quand un chien euh, va pour se coucher, tu as... Euh, euh, à, à peu près 98% des chiens qui vont euh, faire ce que l'on appelle un nid. Un nid, c'est quoi Bah, ben, tu le vois faire. Hein, tu vois, il prend son, il a son coussin, il se met à gratter, il tourne en rond et se couche. Et ça, c'est pas quelque chose que le chien. Euh, euh, voilà, ça, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui date de leur, de leur période lointaine et qui est effectivement de, de, de Parce qu'il faut pas croire. Hein, les chiens ils n'aiment pas les niches. Il euh, y a beaucoup de gens qui achètent des niches à chiens, mais les chiens n'aiment pas les niches. Ils n'ont pas envie d'avoir une niche. C'est pas, pas dans leur mode de fonctionnement. Alors, évidemment, pour les chiens qui vivent dehors, on leur met des abris parce que on a envie qu'ils soient bien, qu'ils soient pas à l'humidité, etc. Mais regarde, tu prends les, les Inuits. Euh, tu prends les Inuits et leur chien euh, leurs chiens de traîneau. Eh bien, regarde ce que fait le chien de traîneau. En fait, il fait un nid, donc il, il, il creuse un trou. Il se met à l'intérieur, en fait. Et pas, pas, il rentre dedans. Il fait un trou, euh, un nid, en fait, si tu veux, qui va euh, être à fleur. À fleur. Pardon à fleur de la surface, tu vois Et quand euh, il est à fleur de la surface, eh bien, tout simplement, il va y avoir un… un, un ça, il fait un nid, voilà. Donc, euh, Et ça, c'est toujours dans leurs lointains ancêtres. Allez, euh, on continue avec euh, euh, Flor, euh, Florence qui me dit « Utilisez-vous euh, l'aromathérapie pour vos animaux, les vies Que pensez-vous de cette manière euh, holistique de soigner les animaux, les antibiotiques, euh, ce n'est pas automatique pour eux non plus. Mais je suis tout à fait d'accord. Il existe, euh, il existe des, des, comme pour nous, euh, des, des traitements naturels euh, d'herbacées, etc. qui vont permettre justement de de de, 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 soigner les chiens. Pour tiens, je vais te donner un exemple. <laughs> Moi, j'utilise un produit. Euh, alors, tant pis, je vais citer la marque parce que très peu de gens la connaissent, mais c'est pas grave. Euh, je, moi, j'utilise un produit qui est, qui est 100% naturel, euh, qui, a, qui, a, qui a été créé en fait à, à, par une entreprise il y a très très longtemps, pour les, notamment pour les chevaux de compétition qui avaient de l'arthrose, etc. Et, 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 et c'est un produit, franchement, moi je l'ai mis sur mon chien, ça marche très très bien. Alors, euh, avant, j'utilisais de la moule verte, tu vois, par exemple, etc. Mais, euh, mais là, euh, après, il y a des, des produits phyto, hein, bien sûr, euh, euh, qui, marchent, qui marchent très, très bien. Et tu as, euh, tu as euh, euh, ce truc-là, donc euh, moi j'utilise la marque, ça s'appelle Hilton Herbs. Euh, Hilton comme, comme H-I-L-T-O-N et Herbs comme de l'herbe en anglais euh, et puis tu précises chien parce que tu sais je te dis ils font les chevaux etc mais tu vois tu sais, c'est un produit extrêmement naturel tu vois mon chien qui a 11 ans qui est, qui, qui est assez arthrosé etc bon ben, c'est normal hein, qu'un écorceau de 11 ans c'est voilà et, 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 et je lui donne ça et ben ça va ça va il, est, il se déplace beaucoup plus facilement il est, il est plus enclin à se déplacer tu vois pour aller un vieux chien c'est très sympa et c'est un produit qui complètement naturel donc oui j'aime bien euh, utiliser euh, des, des, des produits qui peuvent effectivement d'un point de vue naturel aider ou soulager évidemment nos animaux euh, tu as tu as par exemple euh, l'aloe vera qui est, qui est très utile, euh, c'est très naturel. Donc tu vois, l'aloe vera par exemple pour tout ce qui est démangeaisons, machin, c'est nickel chrome. Mais, mais encore faut-il avoir les bons produits parce que là aussi, euh, tu, sais, tu sais très bien que euh, en France ou même dans le monde d'ailleurs, c'est le business et le business et le business. Hein, euh, alors, euh, une autre question euh, qui est euh, de Masterchef qui me dit, eh bien, comment bien accueillir un chiot, place, règles, etc. Alors, comment bien accueillir un chiot En fait, déjà, euh, il faut comprendre comment fonctionne le chiot. La première des choses qui est importante à comprendre, c'est que, tu sais, à l'époque, on donnait les chiots à trois mois euh, et puis à force de lobbying et machin, ben, on est passé à deux mois. Bien. Euh, ton chiot, il, il, il sort de, de sa famille d'origine pour intégrer une nouvelle famille. Il, il sort d'un groupe social pour intégrer un nouveau groupe social. Et ce nouveau groupe social, eh bien, euh, c'est vous qui le représentez. Maintenant, euh, la mère, quand elle récup quand elle a son chiot qui, a, qui arrive. Euh, euh, si tu veux qui commence à avoir ses poussées dentaires etc qui commence à faire mal aux mamelles du chiot aura tendance à, à repousser le chiot et à faire ce qu'on appelle le détachement euh, ça, veut, ça veut dire qu'elle elle explique à son chiot ben non tu viens plus près de moi tu commences à vivre un peu euh, voilà tu grandis tu vois tu, fais, tu, dé, tu commences à te débrouiller et à faire ton, ton, ton apprentissage nous quand on récupère notre, le, un chiot à deux mois c'est tellement mimi c'est petit c'est pelucheux c'est ah, génial quoi voilà on craque dessus il faut le dire on voit un chiot on a on a tous les, les yeux qui sont euh, 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 attendris, euh, tu vois. Et, 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 et on fait ce qu'on appelle, nous, on, on crée l'inverse, c'est-à-dire que quand on accueille le chiot, on fait de l'attachement. Le vrai problème, c'est que, eh ben, on porte le chiot, on le parle, on le regarde, on le caresse, on l euh, bref, et on crée ce qu'on appelle de l'attachement. Ça, c'est la, la, la première chose. Donc, il faut penser que vous êtes une nouvelle famille. Comment fonctionne le chiot Il va arriver chez toi. Eh bien, il va d'abord faire une analyse il va d'abord inspecter son environnement ensuite il va s'adapter donc à l'environnement direct ou vit le groupe social hein, bien sûr il va euh, euh, s'adapter au groupe social que vous représentez alors quand je dis groupe social ça peut être des humains mais ça peut être aussi des animaux d'accord et puis enfin il va s'adapter à, euh, à, à chacun d'entre vous euh, Comment il fait ça bah, Il fait ça par rapport à votre façon de communiquer, à votre façon de vous mouvoir, à votre odeur, à, votre, à vos mimiques faciales, etc. Donc, il s'adapte à chacun de vous, et puis, et puis voilà. Donc, ensuite de ça, si tu veux, euh, dans l'accueil, euh, alors tu as des gens qui vont te dire, notamment certains éleveurs ou machin, ils vous parlent de cage, de mettre des chiens en cage. Moi, je ne suis pas, mais alors pas du tout adepte de la cage. D'ailleurs, tu as un grand nombre de personnes qui t'expliquent. Que c'est une cage d'éducation. Bah moi, je suis désolé, quand je vais en magasin, il n'y a à aucun endroit précisé ou stipulé que c'est une cage d'éducation, mais on est bien et on a bien affaire à ce qu'on appelle une cage de transport. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va éviter de. De laisser la gamelle en, en permanence. Alors, je parle de la gamelle alimentaire en permanence. Vaut mieux avoir euh, euh, alors la gamelle d'eau évidemment tout le temps, mais la gamelle alimentaire, on ne la met pas en permanence. On va la déposer, euh, si possible trois fois, euh, quatre fois au mieux, bien sûr. Et puis si on ne peut pas, ce sera deux fois. Mais, mais voilà. Et, et c'est une dose journalière. Donc euh, pourquoi on laisse pas la gamelle tout le temps au chien Ben parce que en fait, si tu veux, la gamelle, je l'ai expliqué un, un peu plus avant, c'est c'est une ressource, d'accord comme c'est une ressource, si elle est tout le temps là, eh bien ton, ton, ton chiot et ou ton chien va finir par, par s'en désintéresser et ne pas manger euh, correctement. Il va picorer. Alors, ça, ça amène plusieurs problèmes. La, la première problématique, c'est que comme c'est une ressource et qui est, qui est toujours là, mais que euh, on va picorer, eh bien euh, euh, on y va une fois de temps en temps, la ressource, elle, elle va pas s'envoler, donc elle est là, donc je sais qu'elle est là, donc je ne vais pas m'en intéresser plus que ça. La deuxième des problématiques, c'est que le fait de laisser la gamelle euh, tout le temps au chien, c'est que quand il picore, eh bien, à chaque fois qu'il prend des croquettes, son transit intestinal va se mettre en route. Donc, tu finis par dérégler son transit, et ça, ce n'est pas très bon non plus. Et puis enfin, euh, la dernière chose, surtout chez un, chez un chiot... Euh, mais dès qu'il a mangé, souvent euh, 10-15 minutes après, il faut qu'il fasse euh, ses besoins. Donc, euh, donc euh, là aussi, à chaque fois qu'il va manger, ne t'étonne pas qu'au fur et à mesure, il fasse ses besoins euh, régulièrement, et plus régulièrement que, que, que si tu pouvais l'emmener, euh, sortir, machin, etc. Et puis, euh, autre chose, alors ça je le dis pour les chiens qui grandissent, et ou surtout les chiens de grande taille, même si maintenant de plus en plus de chiens de petite taille euh, euh, ont, ont ce problème-là. Euh, tu as un chien, euh, il mange. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a mangé. Et ton chien, tu le sors, il, fait, il se met à courir, machin, etc. Et ben, il peut risquer le retourne. Il peut risquer le retournement d'estomac et la dilatation. Donc, il faut faire très, très attention à tout ça. Euh, donc, la gamelle d'eau en permanence, la gamelle alimentaire euh, répartie plusieurs fois, machin. C'est une dose journalière, d'accord. Et puis, sur un chien adulte, je vous préconise évidemment de donner. Deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, c'est l'idéal pour éviter justement d'avoir un estomac trop lourd, trop ballonné, trop, trop tout ce qu'on veut. Euh, ensuite, et euh, euh, eh bien quand on a un chiot, euh, la place, on va éviter de le placer dans un endroit où il y a trop de passages. Euh, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont tendance à mettre le chien dans un couloir d'entrée et, et il faut éviter ça. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, le chien va faire ce qu'on appelle du contrôle d'accès et va euh, euh, parfois empêcher quelqu'un de passer ou, ou, ou de monter, par exemple à l'étage, machin. Parce que bah parce que ça le dérange, mais parce qu'aussi, bah, il se donne ce droit-là, tu vois, il se donne ce truc de pouvoir faire ce petit contrôle d'accès parce qu'il a, il a un regard sur l'ensemble de cette situation. Et enfin, euh, euh, donc, vaut mieux le mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de passage pour qu'il soit tranquille. Pour faciliter les choses d'un chiot euh, en termes d'espace volumineux, moi, euh, j'évite de laisser traîner plein de choses. Pourquoi bah Parce que ton chiot, il va, il va faire euh, plusieurs choses dans, sa, dans, dans, dans son évolution. La première, évidemment, c'est la découverte d'un certain nombre de choses, d'objets, d'odeurs, de, de, machin. Euh, et il, il a, le chien, le seul moyen qu'il a pour, pour goûter, vérifier, contrôler, c'est sa gueule. Donc. Euh, il ne faut pas s'étonner que ton chiot a, ait tendance à mettre plein de trucs dans sa gueule et quitte à les avoyer, par exemple des cailloux, par exemple euh, des bouts de bois, par exemple des, du, du mou, des mouchoirs en papier, etc., des chaussettes, euh, voilà. Donc, les chiots ont tendance à, à, à beaucoup boulotter, comme on dit. Donc, il faut faire attention à cette phase-là sans être dans la précipitation quand le chiot a quelque chose dans la gueule parce qu'au bout d'un moment, vous avez un chiot qui va finir par faire de la protection de ressources et qui va vous grogner et vous aboyer dessus ou vous, vous pincer tout simplement. Donc, il faut faire attention. La phase la plus importante, en réalité dans le chiot, euh, il, y en a, il y en a exactement euh, trois, d'accord La première des phases, c'est l'apprentissage de la propreté. Ne vous étonnez pas que votre loulou, il fasse pipi, caca, c'est normal, c'est un bébé, il n'a il pas encore euh, la faculté de se retenir, n'engueulez pas votre chien, ne lui mettez pas le nez dedans, ne criez pas dessus, votre chiot, vous le voyez faire, vous le prenez, vous lui dites Non, 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 on l'emmène dehors, Et une fois qu'il fait dehors, on lui dit que c'est bien. Maintenant, vous ne le voyez pas faire, ne lui mettez pas le nez dedans, ne criez pas sur votre chien, etc. Vous le prenez gentiment, vous le mettez dans une autre pièce, vous faites comme s'il si avait rien fait et vous nettoyez jamais devant lui. Tiens, je vous donne un, une petite astuce sympa. Euh, vous achetez un petit vaporisateur, j'en sais rien, il y en a pourquoi à l'écran maximum 1,20€ pour les plus gros. Euh, tu mets dedans un tiers de vinaigre blanc, un tiers de produit vaisselle, un tiers d'eau. Tu mélanges bien, tu vaporises où le chien a fait et hop, tu mets un petit coup de, de, de lavette. Donc ça, ça va te permettre d'apprendre, de faire l'apprentissage de la propreté. La deuxième partie, ben c'est que c'est un chiot qui n'a pas appris encore l'inhibition de la morsure. Qu'est-ce que l'inhibition de la sûre Eh bien, tout simplement le fait que le chiot va apprendre à doser la force, la puissance de sa mâchoire. Alors évidemment, euh, vous me direz "Bah oui, mais ça nous fait mal, machin." Oui, ça vous fait mal. Euh, à l'origine, quand on les donnait à trois mois, ils avaient eu le temps de, de faire cet apprentissage, qui aujourd'hui ils n'ont pas. Donc c'est vous aujourd'hui qui devez faire en sorte que votre chiot, eh bien apprennent à ne pas faire mal. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand votre chiot commence à vous mordiller, euh, etc., plutôt que de le repousser et de vous énerver, vous retirez votre main, vous lui criez un petit aïe, mais vous faites, vous, un petit aïe et vous vous détournez de lui. Vous ne le calculez plus. Et vous allez voir que votre chiot va arrêter de faire ça. Après, moi, j'ai une autre astuce euh, quand les chiots grandissent, c'est de mettre le doigt sur la langue je, je presse un petit coup le doigt sur la langue comme ça, ah, et ça le gêne. Du coup, il va arrêter. Quand tu tends le doigt, il, il lèche le doigt pour euh, voilà. Donc, mais il n'y a pas de brutalité, pas d'énervement, pas de cri, pas voilà. Tu vois Donc ça, c'est une phase très importante, cette ce, ce, ce mordiment qui est l'inhibition de la morsure. Enfin, et, et, et la dernière des phases, qui est une phase, on va dire aussi délicate, où les chiens ont tendance à faire de la détérioration. Eh bien, c'est le changement de dentition. Très souvent, vous êtes très très nombreuses à donner des peluches et des nanins à vos chiens. Bon, soyons honnêtes. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Ça veut dire que vous considérez vos chiens comme vos enfants et euh, et les fabricants ont très bien compris cela et bien évidemment et eh bien le fait d'avoir compris cela euh, ont, ont des gens hein, ils vous étudient ils passent à vous, euh, du temps à vous étudier et après ils font euh, dans les animaleries les machins bah des jouets comme les enfants voilà tout simplement tu vois on en arrive même à avoir des poussettes je sais pas si tu si ça enfin, va je sais pas si vous en rendez compte mais mais avoir des poussettes pour vos chiens vous voyez jusqu'où on, on pousse le paroxysme le délire de, de l'anthropomorphisme donc euh, donc, faut faire attention. Donc ton chien, pour être clair, euh, il est en phase de changement de dentition. Euh, ça commence à deux mois et demi pour finir jusqu'à sept mois révolus. Eh bien, cette phase de changement de dentition est importante. Et ton chien a besoin, euh, ton jeune chien, ton chiot, a besoin de soulager sa douleur dentaire. Pour ce faire... Et il a besoin de mordre des choses qui sont extrêmement dures. Et d'ailleurs, c'est très souvent dans cette phase-là où vos pieds de table en prennent un coup, vos coins de meubles, vos murs, etc., etc., en prennent un coup. Bon, vous allez ne pas vous énerver avec votre loulou, mais plutôt lui acheter des choses qui sont réellement utiles et indispensables pour vos chiens en termes de, de dureté. Moi, je vous invite à. C'est pas la peine d'avoir, comme je vois sur les réseaux sociaux, une mallette remplie de jouets. Vous achetez cinq jouets. Euh, voilà, cinq jouets. Ces cinq jouets suffisent amplement. Vous, vous lui en donnez trois, d'accord euh, Vous lui en donnez trois. Au bout d'une semaine, vous en enlevez un. Vous le remplacez par un nouveau jouet. La semaine suivante, vous en enlevez un autre, vous remplacez par un autre jouet, etc. Et vous avez établi un cycle. Ça, c'est très important. Maintenant, concernant les, les, les choses que vous devez lui fournir. Eh bien, il faut que cela soit extrêmement dur, dur comme du bois. Alors moi, je, vous pouvez prendre ce qu'on appelle des produits naturels comme le bois de serre. Idéalement, je vous conseille vivement de prendre un bois de serre, couper en deux dans le sens de la longueur qui laisse apparaître la moelle, c'est très bien pour les chiens, la corne de buffle, euh, alors vous avez la corne de buffle d'eau, hein, euh, ça on trouve dans le commerce, euh, ça c'est un bon produit naturel et le chien va soulager ses douleurs dentaires, tu peux rajouter aussi euh, par exemple, euh, alors tu as des magasins, des fabricants qui vont te vendre euh, du bois d'olivier ou de cerisier, Eh bien écoute, je vais te donner une astuce là, toi qui es qui est, qui est dans le, le live, eh bien tu, tu vas couper un morceau de bois de, de noisetier, tu vois, ça coûte rien. Des noisetiers, il y en a à peu près partout. Euh, le morceau de bois que tu dois donner euh, doit faire le diamètre de la, du, de, de, de la mâchoire du chiot, ou, euh, tu vois. Euh, son diamètre, donc tu prends un rondin que tu coupes, tu enlèves l'écorce et tu peux lui donner, et pourquoi Parce que le noisetier, l'olivier et le cerisier ne font pas des chardes, tout simplement, et que c'est naturel, etc., donc le chien va aller soulager ses douleurs dentaires euh, dessus, et puis, euh, enfin, éviter de lui donner des jouets en corde, euh, euh, des peluches, des nanas, voilà, tout ça, parce qu'après, il ne faudra pas vous étonner que votre chien, votre chien, en grandissant, joue avec votre laisse, il ne faudra pas s'étonner que votre chien attrape vos pulls, vos plaides, vos coussins, etc., etc. Il faut penser que ce que vous mettez en place chez un chien, ce que vous faites avec lui, eh ben à un moment donné, euh, il, le, il recherchera la même sensation. Euh, allez, une autre question de Tintin qui me dit euh, on peut nourrir un chien uniquement avec de la viande Les croquettes, c'est un aliment très sec. J'ai toujours trouvé ça mauvais. Bon, écoute, alors il y a deux, deux points de vue. Enfin, il y a pas, pas deux points de vue, mais il y a plusieurs points de vue. D'abord, la première, c'est que euh, tu peux nourrir ton chien à la viande. Alors le problème, c'est que tu peux pas nourrir ton chien qu'à la viande. C'est-à-dire que ton un chien, euh, oui, dans l'absolu, est un euh, comment on appelle ça un, un carnivore, tu vois. Mais il ne rechigne absolument pas à manger aussi des herbes. Il ne rechigne pas à manger des fruits. Il ne rechigne pas à manger des légumes. D'accord. Donc il faut le savoir, c'est qu'un chien mange des baies, mange mange des fruits, etc. Euh, et ça, pour eux, ils ont pas de problème. Après. Faire euh, donner de la viande à un chien, et eh ben il faut lui donner le bon équilibre, c'est-à-dire que euh, dans le dosage que tu alors tu vois il y a le barf aujourd'hui qui, qui qui est là euh, euh, très bien parce qu'on retrouve un peu ce, ce système assez naturel. Où on va donner du poulet, on va donner un peu de partie charnue, de l'os, machin, enfin peu importe, des légumes, euh, etc. Alors il y a des entreprises qui font ça très bien, mais il faut faire très attention parce que lorsque l'on passe sur du système complètement naturel, euh, euh, le barf, donc en l'occurrence, eh bien euh, euh, il faut peser son chien très régulièrement et puis il faut vérifier parce que parfois tu peux avoir des carences et ça c'est c'est compliqué, tu sais, il y a beaucoup de vétérinaires. Alors là, je, je dis, on, on accueillera euh, incessamment, euh, sous peu, euh, un vétérinaire dans, 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 dans mes lives. Euh, mais, euh, mais sache que, que le fait d'avoir, euh, euh, de faire que, que du barf, du machin, des trucs, quand c'est mal équilibré, ajusté, etc., ben, tu peux amener des carences à ton chien et c'est assez compliqué après à, 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 à gérer. Bon c'est c'est quand tu tu as le temps quand tu as le, les moyens parce que mine de rien le barf bah, ça coûte un budget quand même et il et, et y a l'autre truc effectivement après as les recettes ménagères les conserves les machins tu vois tu fais ton petit mélange moi je suis pas très adepte des conserves à part certaines, certains fabricants où on est dans du naturel mais mais voilà faut faire attention et puis les croquettes faut pas croire il y a des bonnes croquettes qui existent vraiment je, moi tu vois mes chiens sont aux croquettes D'abord pour, pour plusieurs choses, parce que euh, bah d'abord, euh, y a, y a, ça me permet d'avoir un gain de temps, de la place, euh, mais par contre, je suis allé chercher ce qu'on appelle le top. Des croquettes, tu vois, il y a alors si tu prends des marques pour Aave, euh, que dont la pub euh, circule abondamment, euh, qu'on retrouve partout avec des publicités agressives, etc. Euh, je ne donnerai pas le nom, mais il y a une marque euh, euh, que tout le monde connaît et que beaucoup de déleveurs et, 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 et etc. qu'on trouve dans les clubs et machin euh, vont donner, eh euh, bien, il faut le savoir, cette marque-là n'est pas une marque euh, d'exception. Voilà, c'est, on est plutôt même en deçà de la qualité. Voilà, je, je, je le précise, je donnerai pas de marque, hein, encore une fois, je, mais mais il existe des marques qui sont pouraves. Après, tu as des marques qui sont moyennes, ce qu'on appelle des gammes moyennes, et puis tu as des gammes qui sont ce qu'on appelle le haut du panier. Bon, euh, alors c'est sûr, quand tu achètes des croquettes euh, dans un centre commercial, ne t'attends pas à avoir de <laughs> le haut du panier. Par contre, si tu achètes euh, tes croquettes euh, euh, chez des fabricants ou des machins, des trucs professionnels, oui, tu vas avoir de, tu vas avoir de la qualité. Donc, il faut faire très attention à ça. Euh, moi, à titre d'information, j'utilise une marque. Euh, je paye euh, 74 euros la, le paquet de 12 kilos. Tu vois, euh, c'est un budget euh, moins que le barf. Mais euh, j'ai un bel équilibre et, et, et les croquettes sont faites avec de la vraie viande, avec des vrais fruits, avec des vrais légumes, etc. Et il n'y a pas de trucs, euh, euh, tu vois, genre euh, d'additifs, de machins, etc. Donc c'est bien, c'est bien régulé. Donc il faut faire attention et puis voilà. Ok. Allez, on continue avec euh, tiens, bah avec, Lu, avec Alex Lupus Viridi qui me dit bonsoir. Je suis un moto de la ville de Mémère. Euh, si vous voulez, euh, si vous voulez le le voulait faire de modération dans le chat. Bah écoute, ma foi, avec plaisir, mais pour le moment, ça a l'air assez correct. Donc, mais merci, hein, bien sûr, ce sera avec un grand plaisir. Alors, je demanderai à la ville de mes mères parce qu'encore une fois, moi, je ne connais pas grand chose. Et, et c'est vrai que si tu veux, à part mettre quelques vidéos explicatives sur YouTube, là, je te dis, c'est pour moi, c'est la première émission que je fais dessus. Et, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, ah si, il y en aura d'autres. Bah, j'espère, il y en aura d'autres. Pour information, par exemple, prenez date. La semaine prochaine, j'accueille un mec incroyable qui s'appelle euh, Thomas Moreau, qui a créé, un, avec. Euh, il est co-créateur d'un moteur de recherche caritatif. Et franchement, alors là, c'est. Pour le coup, c'est top. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder et commencer, hein, parce qu'à chaque fois que vous cliquez, eh ben, ça ramène un peu de, de bouffe pour des animaux, des refuges, etc. C'est génial. Donc, euh, le, le, le truc, ça s'appelle YouCare, euh, Y-O-U-C-A-R-E, euh, et c'est un moteur de recherche caritatif. Allez regarder et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles et, et c'est sympa. Allez, on continue avec euh, euh, avec euh je dois vous laisser. Merci. Bah Florence, merci à toi d'être venue. Hein, voilà. Euh, euh, The Brad, coucou, salut, euh, coucou. Euh, arrobas, machin. Bon voilà, bonsoir, 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 Dame Kala, euh, bah, bonsoir tout le monde. Alors, euh, si on a, on a euh, Fanfan qui me dit, euh, mais des rédactions avec des chiens bizarres. Euh, mais des réactions avec des ah ouais alors pardon mais des réactions avec des chiens bizarres comme si elle veut partir au clash pourtant elle joue avec plusieurs chiens qu'elle connaît euh, toute euh, petite elle a deux ans croisé husky staffie et deux semaines alors non c'est pas spécialement que alors tu vois enfin c'est pas spécialement qu'elle veut partir au clash ta chienne c'est juste que bon d'abord tu as un croisé husky et staffie bon alors les Staffy. Ce sont des chiens qui sont extrêmement, euh, euh, si tu veux, euh, euh, allez, on va dire, dans le jeu, dans la, ex, ils sont dans l'excès du jeu, le brut de décoffrage. Dans leur présentation, ils sont un peu bruts. Brut, tu vois euh, Ils arrivent euh, en terrain conquis voilà si on peut appeler ça comme ça donc euh, tu vois toi, euh, mais c'est des très bons chiens très gentils etc ils sont très joueurs très très euh, très amicales très proches de l'homme donc tu as tu as cette partie là et puis tu as un husky qui, euh, euh, qui est un chien qui euh, euh, a tendance à, à si tu veux euh, euh, à être joueur également, mais aussi à être un peu Jean Foutiste euh, euh, dans ce que tu peux demander à ce chien, euh, euh, voilà, et qui a besoin d énormément d'activité. D'ailleurs, les deux ont besoin d'activité, mais, mais tu as besoin de donner. Donc, au moment, euh, et puis six semaines, pardon, mais c'est un bébé encore, tu vois, six semaines, c'est rien du tout, laisse-la grandir, Commence à lui donner des règles, un cadre. Laisse-la aller au contact des autres chiens. Laisse-la aller s'amuser avec eux. C'est important, tu vois. Cette, tu sais. Alors, je le dis souvent parce que tu as des gens qui, ouais, mon chien machin, blablabla. Bla, bla, mon chien est pas sociable. Mon chien est dominant. Mon chien blablabla. Bla, bla", ce qui est une pure connerie. En fait, les chiens quand ils naissent, et je le dis parce que c'est important, ils naissent tous sociable. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que bah, ils naissent dans une fratrie, ils naissent, euh, ils naissent avec, euh, avec d'autres chiens. Voilà, ils sont là, ils connaissent ça. D'ailleurs, ils sont sociables parce que d'ailleurs, ils vivent avec vous qui, eux, euh, si, vous, si vous voulez, euh, euh, quand ils intègrent votre groupe social, ils ne voient pas comme des humains, ils voient des membres d'un groupe social. Vous êtes entre guillemets des congénères, tu vois. Donc, euh, donc euh, euh, votre chien s'adapte, machin, mais, mais il est sociable. Après, le vrai problème. Problème, c'est pas que le chien n'est pas sociable, c'est que le chien, si tu veux, dans tes attitudes en extérieur, lorsque tu te balades pour un peu que tu lui mettes un équipement euh, qui va pas bien, euh, ton chien veut aller voir un, 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 un congénère, tu as tendance à tirer sur la laisse, tu vois, euh, et, et donc tu vas induire ton chien en erreur. Par exemple, euh, moi je vois souvent hein, les gens, ils se baladent avec leurs loulous, euh, souvent des petits chiots, des machins, tu vois, et ils leur mettent des harnais déjà tout petits. Bon, ce qui n'est pas une bonne idée, honnêtement, hein, sincèrement, mais, mais qui vont. Euh, voilà, le chiot, il veut aller sentir un congénère, il veut aller le voir. Et puis, ben, la personne qui est au bout de la laisse, qui tient le chiot, ne veut pas que le chiot aille voir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et il tire la laisse. L'interprétation du chien, tu vois, il se frustre parce que lui, il aimerait bien aller voir le congénère, mais on l'empêche d'aller voir le congénère, on l'empêche de communiquer naturellement. Et, et par conséquent, eh bien, au bout d'un moment, tu vas avoir un chiot qui va. Euh, se dire que ce qu'il y a en face est dangereux, mais pas pour lui, pour toi. Et tu vas avoir un chien qui est réactif, un chien qui va amener, euh, qui va qui va déborder en comportement. Alors, tu sais, au début, il se frustre et quand il se frustre, il commence à aboyer. Et oh mon Dieu, il aboie, oh mon Dieu, il passe quelque chose. Et puis, hop, toi, tu tires sur ta laisse, etc. Et donc, oui, effectivement, tu vas avoir ce genre de, euh, de, de problème euh, euh, récurrent. Mais… Euh, deux, deux ans, c'est rien. C'est, euh, Tu vois, tu me dis, euh, elle a deux ans aujourd'hui, mais deux ans, elle n'est pas adulte. Parce que tu as deux races de chiens qui sont des races à maturité tardive. Le, 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 le Siberian Husky est un chien qui a une maturité tardive qui est de l'ordre de deux ans et demi à trois ans par, pour certains spécimens. Et chez les staphies, bah c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont matures qu'à deux ans et demi. Donc, tu vois, tu c'est pas euh, 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 pas grave et puis en plus dites-vous bien qu'un chien quel qu'il soit apprend à tout âge euh, tu as euh, euh, tu vois moi j'ai des gens qui viennent me voir euh, euh, du monde entier machin etc mais quand ils viennent euh, ils sont surpris parce qu'ils me disent ouais mon chien machin etc mais le chien tu peux le prendre il a dix ans tu peux parfaitement lui montrer ce que tu attends de lui il va il va le faire il a aucun problème là-dessus par contre par contre euh, il va falloir, si tu as un chien qui est conditionné, par exemple, à se jeter sur les voitures, etc., ben, il va falloir d'abord le déconditionner hein, et puis ensuite de ça, lui réapprendre ce que tu attends de lui. Tu vois, il faut resetter un peu. Mais, mais ça, c'est une technique, c'est un machin, c'est un système, c'est une façon de faire. Mais la, la vraie problématique, euh, c'est Qu'est-ce qu'on attend du chien Comment on lui montre ce qu'on attend de lui Et, 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 et par quel biais Ça, c'est important. Tu vois, tu peux apprendre tout un tas de choses à ton chien par le jeu. Tu peux apprendre tout un tas de choses à ton chien euh, euh, avec avec des, des petits exercices sympas. Euh, alors évitez, mesdames et messieurs, pardon, mais je le dis, évitez les trucs en ligne euh, ou machin où on vous fait des exercices, euh, euh, comment dire, euh, euh, chez vous. Ça a pas de sens de faire des exercices chez soi. Euh, moi, je, enfin, je vois le nombre de personnes que qui sont euh, euh, un peu dégoûtées d'avoir payé des, des des trucs machin parce que en fait, on vous fait faire des exercices dans la maison. Ben oui, mais dans la maison, il n'y a pas de stimuli, donc ça fonctionne relativement bien. Tu peux sortir toutes tes friandises que tu veux. Tu vas voir ton chien, il va marcher. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le jour où tu vas en extérieur, dans des environnements riches en stimuli, il bah, y a de fortes chances que comme ton chien n'a pas appris dans des cas de figure où il y a réellement quelque chose, bah, ne t'attends pas à ce que ton chien fonctionne. C'est pour ça que je récupère beaucoup de gens, d'ailleurs, dans ce, dans ce cadre de figure. Effectivement, parce que les gens me disent, ah, bah, regardez, vous, de toute façon, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, vous avez plein de gens qui vous disent, ah oui, mon chien écoute bien, machin, hein, mais, bah, mais euh, mais c'est parce qu'il n'a pas appris en situation réelle. Si tu veux qu'un chien, euh, euh, quel qu'il soit, fonctionne euh, correctement dans, dans tes attentes, tu vois, soit, soit vraiment à l'écoute de tes attentes, soit euh, 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 sache ce que tu attends de lui, etc., bah, et, et sache comment agir, et bah, il faut le faire en situation réelle. Si tu ne le fais pas en situation réelle, comment veux-tu que, comment veux que celui-ci puisse savoir... Euh, quelles sont réellement tes attentes Bah euh, non, ça, ça peut pas coller, ça peut pas coller. Euh, par contre, si tu travailles ton chien réellement dans, dans les situations, bah oui, là tu vas rectifier les erreurs parce qu'un chien, quel qu'il soit, apprend de ses erreurs. Tu comprends Le monde de, du chien, euh, souvent les gens vous êtes très complexes avec vos chiens parce que vous croyez qu'ils sont difficiles, euh, euh, etc. Mais en fait, un chien, d'abord, c'est très intelligent. Et puis, enfin. Il y a une autre chose qui est, qui est, euh, qui est euh, importante, c'est que le chien, si tu veux, est, euh, il est binaire. Il, il fonctionne de manière binaire, un peu comme un ordinateur, tu vois, 0 ou 1. Eh bien, chez le chien, c'est blanc ou c'est noir. C'est oui ou c'est non. Tu vois ce que je veux dire il faut, il, faut que, euh, il faut comprendre ça. Et puis, le chien, ben, il est pavlovien. Bah, c'est quoi Pavlov Bah, euh, c'est un chercheur russe qui a découvert le conditionnement. Et, et, et effectivement, les chiens euh, se conditionnent extrêmement rapidement. Et pour beaucoup d'entre vous, parfois vous rencontrez des difficultés parce que vous avez conditionné votre chien d'une certaine manière. Et le jour où il y a une, un problème euh, de trame, eh bien, le chien comprend pas. Il va faire des choses qui vont être déviantes. Donc, il faut penser. Tu sais, moi j'ai des gens, ils viennent en éducation. On, on, on... Euh, qui viennent de loin hein, je dis euh, j'ai des gens qui viennent de Hongrie euh, de Corse de. tu vois je suis dans l'Aisne donc pour te dire Donc j'ai des gens qui viennent de la frontière espagnole j'ai des gens bon bref peu importe euh, Luxembourg Suisse Belgique et, et tu as des gens euh, qui euh, euh, si tu veux quand je les ai avec moi je les, je les regarde faire et, 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 et ils ont le chien à côté d'eux le chien veut aller sentir quelqu'un il tire sur la laisse mais à aucun moment, ils ont demandé au chien de venir près d'eux. À aucun moment. Et il tire sur la laisse. Donc le chien, qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous, vous savez pourquoi vous tirez sur la laisse. Vous voulez pas que votre chien aille embêter les gens. Oui, mais le chien, lui, il voit qu'un truc, c'est que vous tirez sur la laisse. Donc il sait pas, il reçoit un signal. Ouh, c'est quoi ça? D'accord? Mais il comprend pas. On m'empêche d'aller voir, d'aller sentir. d'aller… Et, et du coup, il fait des interprétations qui ne sont pas tes interprétations. Et là, effectivement, euh, pour le coup, ça devient compliqué. Tu vois Voilà. Donc, il faut faire, euh, faut faire attention à tout ça. Allez. On continue avec euh, euh, French Gamin World. Bonsoir. Je suis allé avec mon chiot voir un éducateur qui était euh, dans le coercitif sans le savoir. Mais six mois après, je me rends compte que mon chien n'a pas une bonne relation avec moi. Que faire Alors. Écoute, euh, déjà, euh, quel est aujourd'hui, parce que quand tu dis il n'a pas une bonne relation avec toi, pardon de le dire, mais c'est un peu lège, euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation avec toi Comment tu as établi ton fonctionnement Comment tu as amené ton chien à te comprendre Comment tu t'exprimes Est-ce que tu es dans l'agressivité Tu sais, il y, y a… Bon, tu sais, moi, je ne je jette pas trop la pierre aux gens parce que je le dis, on n'est pas là pour juger. Enfin, en tous les cas, moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous apporter des solutions et vous aider. Donc, il y a, y a un truc qui est important. Lorsque tu as un, un, un chien, si tu veux, qui qui a été éduqué d'une certaine manière, peut-être même dans la violence, parce que, euh, bon, le coercitif, c'est violent, il hein, faut, faut, faut le dire. Mais mais euh, 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 déjà, je comprends pas que les gens, au bout d'un... Euh, enfin, voilà. Euh, alors, ils ne le font pas exprès. Ils veulent le bien, ils veulent avoir une bonne communication, ils veulent avoir des bons trucs avec leur chien et ils vont dans des endroits où effectivement c'est un peu la Bérézina. Bon. Euh, mais heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ça c'est important, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, comment tu communiques avec ton chien D'abord, la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'un chien a besoin structurellement parlant, mais c'est un peu comme nous gamins, euh, a besoin de règles et de cadres. Mais tu peux établir des règles sans être dans, le, dans, dans la coercition, sans être dans l'agressivité, sans être dans… Même, tu vois, je te prenais l'exemple du canapé euh, euh, en début d'émission. Quand, euh, quand un chien monte sur le canapé, tu veux pas qu'il aille sur le canapé. Au départ, tu lui mets un petit collier plat, une, une cordelette. Et quand il, il monte sur le canapé, tu prends la cordelette, tu le fais descendre et tu lui dis non, tu descends, tu vas à ta place. Et tu l'emmènes à sa place. Et là, ton chien, tu as commencé à établir une règle, d'accord Et comme toutes les règles, elles n'ont de valeur que si tu mets le cadre. Et le cadre, c'est quoi Bah, quand je te dis d'aller à ta place, tu vas à ta place. Donc du coup, tu l'emmènes, tu vois, tu le montres, voilà. Et, et une fois qu'il y est, tu le récompenses. Ça, c'est important. Tu lui montres que waouh, c'est super, c'est génial, c'est sympa, tu vois. Et, et ça, oui. Alors après, euh, 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 bon, bah, tu peux travailler un chien. Euh, euh, par exemple, pour pour lui apprendre à marcher. Alors, euh, moi, je t'invite à aller regarder des vidéos YouTube que j'ai. Hein. Euh, tu peux apprendre à un chien à marcher au pied très rapidement. La condition sine qua non, c'est d'expliquer à ton chien que en fait, c'est pas lui qui gère la balade, c'est toi. Il fait pas ce qu'il veut, tu vois. Donc, par exemple, si ton chien tire, ben moi, je fais un truc, je recule d'un coup. En gros, tu me prends un mètre et il en perd deux, tu vois. Et du coup. Il va, au bout de trois fois, ça y est, il va marcher doucement. Par contre, il ne fait pas attention à toi. Donc, du coup, je fais un, un demi-tour à 180 degrés. Mais le vrai problème, si je puis me permettre, euh, French Game World, c'est euh, eh tout simplement d'éduquer l'humain aussi à un moment donné. Tu vois, moi, ça fait des années que je milite pour que les gens aient un permis à détenir un animal de compagnie, que ce soit un, un chien, pour savoir comment fonctionne le chien, ou un chat pour savoir comment fonctionne le chat ou un lapin, enfin, tu m'as compris. Donc, le, le, le truc, si tu veux, moi, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je médite là-dessus, et j'espère qu'un jour, on y viendra. Euh, euh, pourquoi Parce que... Le, le, si tu veux, toi tu vas dans un endroit où, où l'éducateur le, 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 et encore si c'est un club par exemple bah, à la base, euh, c'est pas vraiment des éducateurs, hein, c'est des euh, à la base même d'un club canin c'est d'avoir un moniteur, l'origine normalement des clubs canins c'est de te donner du temps d'amusement avec ton animal, bon ils se mettent à faire de l'éducation, ils prennent des bénévoles qui en connaissent parfois bien moins que toi et toi tu les vois au milieu, tu penses que c'est des éducateurs et des professionnels qui connaissent bien euh, leur, euh, leur tasse de thé le, la vraie problématique, c'est qu'il y en a un qui va te dire blanc, l'autre il va te dire rouge, l'autre il va te dire vert, et puis que tu conditionnes le chien dans un lieu fermé. Donc là, ça va marcher. Mais quand tu vas être dans la, la nature, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, bah, ça va être problématique parce que tu ne sais pas comment faire parce que personne ne t'a expliqué à toi quel comportement tu devais adopter, quelle attitude tu devais avoir, quelle est ta façon aussi d'appréhender l'extérieur. Et ça, c'est important. Donc, pour être clair, ben, il n'est jamais trop tard, mais tu peux, si tu le souhaites, j'ai bien dit, si tu le souhaites, me contacter téléphoniquement euh, au 06 45 15 77 14. Je tiens, je te note le numéro, euh, 06 45 15 77 14. Tu peux m'appeler, euh, les conseils sont gratuits, donc n'hésite pas à, à me joindre, tu verras, euh, euh, je, on verra ensemble ce qu'il a mis en place euh, et, 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 et comment on peut, on peut rectifier et soigner. Et au pire aller... Vraiment, s'il y a une vraie difficulté, tu as le loisir aussi de faire comme des centaines de personnes, de venir à ma rencontre. Je te loge dans une maison où il y a tout le confort. Hein. Tu vois, le, le, le truc, ça fait 90 mètres carrés. Tu es en chambre double. Il y a, y, a, y a la télé, le, la Wi-Fi, le salon, la salle à manger, la cuisine, machin. Et pendant trois jours, à raison de trois séances par jour, on fera... L'éducation de ton chien en situation réelle, mais surtout la tienne. Et ça, c'est important. Surtout la tienne dans l'appréhension, dans, dans la bonne communication de ton chien. Et ça, ça match. D'accord Allez, on continue avec euh, euh, Fanfan qui me dit euh, Maya fait plein de sauts, genre à droite et à gauche. Euh, mais elle le fait quand elle veut que je. Elle, elle, alors, quand elle veut, des fois, je vois qu'elle réfléchit comme un husky et comme un staffi mordeuré, euh, cette situation réelle. Oui, mais, euh, tu sais, le problème là, si tu veux, c'est, encore une fois, dans, dans le mode de fonctionnement que tu mets en place, que tu élabores avec tes chiens, avec ton chien, pardon, qu'il soit croisé, qu'on gourou, qu'on on, on s'en fout, c'est un chien. Donc, son mode de fonctionnement, c'est le mode d'un chien. Après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de montrer à, à, ta, à ta chienne, ce que tu attends d'elle. Là, tu as tendance à la regarder et à laisser, en fait, si tu veux, ta chienne euh, faire so, son petit, sa petite vie, machin. Mais donne-lui une règle, donne-lui un cadre et tu verras qu'elle qu suivra tes règles et ton cadre. Tu n'as pas besoin d'être euh, euh, dans, 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 dans l'agressivité, le, le, le cri, et machin, pour lui montrer ce que tu attends d'elle. Quand ta chienne, elle tire, par exemple, elle veut aller voir quelqu'un, bah déjà, canalise-la. D'abord sans personne, tu vois, sans stimuli, et puis ensuite avec des stimuli. Mais tu peux la canaliser, tu peux lui demander de s'asseoir, tu peux faire en sorte qu'elle reste assise en, en détendant la laisse, en lui disant c'est bien machin. Si elle se lève, bah ben non, nanette, hop, et puis je la remets à sa place. Et tu vas voir que ta chienne, en général, les chiens, au bout de trois fois, quatre fois, grand maximum, ils ont compris, ils, ils, ils font ce que tu leur demandes. Donc, mais encore une fois, c'est comment tu établis ton relationnel avec elle. D'autant plus que, euh, fanfan je ne je crois pas te connaître, je, je vois. Mais, mais quoi qu'il en soit. Ça veut dire, et ça je le lis, dans la manière dont tu écris euh, et tu me parles de ta chienne, tu es assez, euh, euh, assez fusionnel, euh, tu, es, tu, es, tu es beaucoup dans, 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 dans l'excès de communication avec ta chienne et, 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 et du coup elle ne sait pas forcément comment se comporter. Donne-lui structure, il faut que tu structures ta chienne, que tu lui. Donne des règles, que tu lui donnes un cadre. Montre-lui, par exemple, que bah, quand tu, tu marches, elle tire, bah, pars dans l'autre direction. Montre-lui que c'est toi qui gères la balade et tu vas voir qu'elle fera attention à toi. La, la, la condition pardon la condition sine qua non pour que ça fonctionne, c'est de surprendre le chien. Pourquoi bah, Comme je te l'ai dit, bon les chiens sont binaires c'est 0-1. Je, je, je fais quelque chose, j'éprouve du plaisir je vais continuer à faire cette chose-là. J'en éprouve de l'insatisfaction. Je vais arrêter. Le fait de... de, Tu vois, ta chaîne, elle veut elle veut avancer. Toi, tu changes de direction. Bah, tu n'as pas besoin de tirer sur ta laisse. Tu as plein de gens qui tirent, tu sais, qui saccadent là, machin. Tu n'as pas besoin de tirer. Ta chaîne, elle est au bout de la laisse. Tu changes de direction, laisse ton bras ballant, machin. Elle change de direction. Tu marches, tu donnes du rythme. Bah, tu marches, tu vas voir, elle est obligée de venir. Donc, elle viendra. Elle viendra et dès qu'elle vient vers toi et qu'elle est à côté de toi, dis-lui c'est bien ma doudouille, tu vois. Montre-lui que tu c'est ça que tu attends d'elle. Il y, y a beaucoup de gens qui récompensent pas leurs chiens euh, et parce qu'ils ont peur de communiquer correctement. Bah ben non, mais tu sais les chiens dans le langage euh, des, des chiens, l... bon la voix n'est pas essentielle. Hein. Moi je fais des chiens sourds, donc la voix n'est pas essentielle. Par contre euh, euh, quand tu l'as, autant l'utiliser. Donc, euh, quand tu as un chien qui n'est pas sourd, autant utiliser les modulations de fréquence. Alors, dis-toi bien que, et tu peux essayer devant ton chien, tu as différentes modulations, parce que euh, les chiens communiquent en, en termes de voix, ce qu'on appelle la voix. Euh, euh, ils ont entre 8 et 11 variétés de sons différents, incluant le grognement. D'accord Entre 8 et 11 variétés différentes de, de modulations de fréquence. Alors, euh, pour ça, il faut comprendre qu'un chien, quand... Euh, quand ils modulent, euh, la voix, donc les aboiements, machin, vont être, vont être, si tu veux, rythmés et modulés. Donc rythmés, ça va être quoi Rapide, coupure, rapide, euh, haut, bas, etc., etc. Donc euh, là, tu as donc dedans la vitesse, bien sûr, les, les arrêts, ce qu'on appelle le blanc, d'accord, et euh, et le, le la modulation c'est à dire le, le rythme la hauteur de ton expression quand tu prends un chien qui est très bien dans ses patounes, qui est hop tu vas moduler d'une manière euh, rapide ce qu'on appelle le baby talk oui madou oh, mon hein. trésor modity d'amour là tu vas voir ta chaîne elle va être heureuse elle va se remuer tu vois et puis si tu as affaire à un chien qui euh, qui a tendance par exemple à être dans l'angoisse machin et eh bien tu vas moduler d'une manière beaucoup plus basse tu vois tu vas lui dire ou oh, c'est bien Mouloulou. Là. Parce que si tu as un chien qui a peur et que tu lui fais des modulations très rapides, oulala, oulala, panique. Tu comprends Donc, il faut que tu adaptes ça et tu vas voir que ça va marcher. Mais euh, là aussi, Fonfon, moi, je, je, je ne peux que, que, que t'inviter à, 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 à me joindre ou à, ou à appeler un professionnel qui va, qui va t'assister en situation réelle, éduquer le chien. Oui. Moi, chez moi, enfin, je le fais euh, en situation réelle, il n'y a que deux séances pour le chien. Et une séance dure 20 minutes. Euh, C'est le degré maximum de concentration du chien. Et, et après, derrière, eh bien, tu, tu vas euh, euh, on va travailler, toi, d'accord, ta façon d'être, ton regard vis-à-vis -vis de l'extérieur, arrêter de donner de l'importance aux gens, aux vélos, aux voitures, euh, aux chiens, etc., etc. Et puis tu vas voir que ça va matcher. Allez, on continue les questions avec euh, euh, Alors, euh, French Gamin World. Alors, non, personnellement, je ne suis pas dans l'agressivité euh, ou autre, mais je me rends compte que quand je veux la féliciter et, euh, à, à, et la caresser, il, il remue que très légèrement la queue. Oui, mais parce que, alors, euh, tu sais, tu as des chiens qui sont. Qui ont, qui ont des natures, euh, on va dire, inquiets. Tu vois euh, et pourquoi bah parce que du coup il remue la queue mais elle est basse. Tu vois, il remue la queue bas parce que il sait pas, il sait pas comment se comporter parce qu'il a des inquiétudes. Mais ça c'est pas grave. Ne donne pas d'importance au fait que le chien remue la queue doucement vers le bas. Bon, parle lui, machin. Après il y a la façon de récompenser le chien, de caresser le chien, etc. Beaucoup de gens ne savent pas caresser le chien. Ont tendance à se précipiter dessus, à l'enlacer, à machin, etc. Bon. Quand le chien est debout, tu sais ce qu'ils adorent Ils adorent, adorent qu'on leur caresse la joue et, et ils adorent qu'on passe euh, sous, sous le, le menton. Ça, c'est un truc, tu vas voir, essaye, tu vas voir, en, en les flattant, tu vois, essaye d'utiliser la flatterie, tu vas voir, oh, t'es beau, mon ah, là, là, tu vois, et tu vas voir que euh, euh, ton chien va se détendre. Parce que là, c'est juste qu'il ne sait pas comment se comporter. Et tu vois, tu as le même, la même problématique avec les chiens qui... Euh, euh, qui ont eu des stress ou euh, euh, qui ont été maltraités et qui ont tendance à faire ce qu'on appelle de la léchouille, c'est-à-dire des signaux d'apaisement. Là, la queue basse comme ça, tu vois, qui remue très légèrement mais qui est basse, ce sont des signaux d'apaisement, parce que ton chien est inquiet tout simplement. Donc, euh, euh, tu peux réhabituer, etc. Le chien, mais mais euh, voilà. Après. Euh, euh, donc, le chien qui te fait de la léchouille, qui te lèche en permanence, euh, euh, tu vois, euh, euh, c'est désagréable pour nous. Mais en fait, il fait, il fait des signaux d'apaisement parce qu'il ne sait pas comment s'exprimer avec toi, comment venir, etc. Mais ça, c'est beaucoup des chiens qui ont eu des traumatismes, tu vois. Moi, moi, en l'occurrence, la chienne que j'ai récupérée, elle faisait ça. Bon pour, pour y arrêter qu'elle qu'elle pour que le chien arrête de te lécher et de te détremper, eh bien, il te suffit en fait en réalité plutôt que de la repousser, de t'énerver, de l'ignorer. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir le chien va partir va, va arrêter de faire ça. Euh, moi elle l'a fait. Bon, alors ça prend un peu de temps au départ, mais mais euh, mais ça marche, d'accord Voilà. Allez, on continue euh... Euh, Tarkam Hello euh Bonsoir à tous. Après, qu'est-ce que j'ai Alors, je suis en train de rechercher les questions. Euh, ah, voilà. Alors, hop, euh, French Gamma World qui me dit, au début, euh, il s'était des cours classiques, marche, etc. Euh, et quand il a commencé à sauter et à mordiller, euh, il me demandait de lui serrer le museau. Ah, ben bah, ouais, je comprends mieux que ton chien soit inquiet. Euh, après, et, euh, il est monté et il m'a demandé de le mettre au sol. Bon, alors, euh, French Gamma, tu vois, ça... Euh, euh, c'est de, de l'éducation, euh, je ne sais pas à qui tu as eu affaire, euh, mais c'est de, de l'éducation... Euh de merde, voilà, c'est de l'éducation euh, qui ne ne, ne, ne ne devrait plus exister en fait, le fait d'attraper de, de, le museau parce que ton chien te mordit, mais c'est normal qu'il te mordit, d'abord parce que c'est un chiot au départ et puis après, il y a au fil une montée en pression, il s'exprime, bon, eh, au lieu de serrer le museau ou le chien, quand tu serres le museau, tu lui fais mal, ben au bout d'un moment, il va pas forcément accepter que tu amènes ta main vers le museau et il peut risquer de te mordre, ça, c'est une autre, une, une, une certaine chose. Euh, et, et le fait de, 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 mettre le, de plaquer le chien au sol euh, est une pure aberration, une pure connerie. Alors ça, ça date, je vais te raconter parce que tu vois, je, comme je te dis, moi j'ai 52 balais. Euh, euh, C'est quelque chose que j'ai vu, j'ai vu de mes yeux euh, euh, dans, dans l'éducation de l'époque et qui n'était pas de l'éducation en fait, ce qui était du dressage et où on était euh, dans un système où il fallait mater le chien, euh, le casser, tu vois. Euh, euh, mais ça n'a pas de sens de faire ça en fait. Tu agresses le chien, euh, tu lui demandes de faire des postures parce que. C'est ça qu'on nous demande en fait dans le fond, c'est de faire des, des, des postures de d'apaisement euh, à fond, tu vois. Et, et en fait, le chien n'aime pas ça, donc du coup, il se débat, il veut. Mais c'est pas bien. Après, il a la queue entre les jambes parce qu'il sait pas ce que tu attends de lui, etc. Euh, non, tu peux, tu peux travailler. Je te dis, moi, j'ai des gens qui viennent me voir avec des chiens réactifs congénères, réactifs humains, euh, euh, des chiens qui jettent sur les voitures, des chiens qui jettent sur les vélos, des chiens qui tirent comme des bourrins, etc. etc. Euh, et, et tu vois, quand je fais moi l'éducation, il y a que deux séances pour le chien. Après, tout le reste, c'est l'humain. Mais aujourd'hui, de faire ça, d'avoir un chien que tu agresses finalement, parce que tu me dis, non, ben. Euh, si tu l'as agressé, ce chien, c'est pour ça que si tu veux, quand il vient près de toi, il a la queue basse euh, et il remue la queue. Il est content, tu vois. Mais comme il ne sait pas comment tu vas agir, et eh ben du coup, il ne sait pas se présenter à toi. Tu vois, il vient, il ne sait pas. Est-ce que je vais, est-ce que je n'y vais pas Donc il remue, mais il est inquiet, tu vois. Donc euh, faire attention à tout ça. Et, et, et oui, c'est compliqué quand, euh, quand on arrive dans un schéma euh, euh, un, peu, un peu comme ça. Alors je ne sais pas. Euh, je te dis encore une fois à qui tu as eu affaire, mais, mais euh, mais euh, c'est le genre d'individu à fuir, voilà. À... Enfin, dans le 77, je vais, te, je vais te dire, là, tu vois, actuellement, j'ai un monsieur très sympa, un policier qui, qui est venu passer trois jours avec son malinois, et euh, euh, il a vu une éducatrice, une éducatrice, si euh, une, enfin, une on peut appeler ça comme ça, euh, qui lui a fait faire la même chose, tu vois, euh, 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 attrape-lui la gueule, euh, retourne-le, euh, balance-le dans tous les sens, machin. Heureusement qu'il a arrêté avec. Heureusement, parce que ça aurait été des traumatismes très durs, très douloureux, très, très compliqués euh, à retravailler. Heureusement, je l'ai dit, les chiens apprennent tout le temps. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Euh, et, mais il faut arriver à leur faire oublier les antécédents de, des traumatismes qu'on leur inflige. Euh, tu vois, ça, c'est un vrai traumatisme. Donc, euh, donc le chien, là-haut dans sa tête, il y a en filigrane un danger qui est là, tu vois, en permanence. Même s'il a tendance à entre guillemets oublier, il n'en est pas moins qu'en filigrane, il y a ce problème et il faut faire attention. Voilà. Donc, euh, donc, euh, écoute-moi. Appelle-moi, appelle-moi, euh, appelle-moi demain. Euh, prends mon numéro, je peux te le redonner. Mais, mais voilà, appelle-moi, c'est gratuit. Mes conseils sont gratuits. Et puis, et puis peut-être viens découvrir autre chose. Voilà. Euh, allez, on continue, on continue. Ah bah, tu, tu continues. Alors euh, c'est là que j'ai perdu beaucoup de points avec. Et du coup, dès que je suis à côté de lui, euh, quand il est allongé, euh, il fait des échoues. Bah ben oui, mais parce que en même temps, à chaque fois, tu, tu vois, tu l'as agressé, ce chien. Tu l'as agressé tu ne l'as pas fait exprès, tu as suivi les conseils de, 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 de quelqu'un qui était censé être un, un bon professionnel, mais en fait, cette personne, pardon de te le dire, a un peu euh, euh, amené un traumatisme à, à, ton, à ton chien. Donc oui, c'est compliqué. Euh, allez, on continue. Euh, avec euh, avec euh, Primaël, euh, ouais, ouais, hein. quelle différence faites-vous entre éducation canine et dressage ah, ah, voilà une bonne question. Eh bien écoute, euh, les deux existent. D'accord Les deux existent. Alors, euh, l'éducation canine, c'est, euh, si tu veux, euh, de donner à, à, à un chien euh, euh, des règles de vie en société. Oui, on essaye d'adapter nos chiens à à notre, euh, vie de tous les jours, à notre, à notre cercle extérieur, à, 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 à la rencontre de gens, à la, tu vois, etc. Ça, c'est de l'éducation. Tu apprends aux chiens à savoir se comporter en société. Et puis, le dressage, eh bien, en réalité, la base même du dressage, c'est, euh, de donner, en fait, si tu veux, aux chiens, un, normalement, normalement, un travail. Euh, je te donne des exemples. Tu vois, par exemple, les chiens de cinéma. Euh, et j'en ai fait, euh, c'est du dressage. Euh, on demande un travail au chien. Le chien de recherche d'explosifs, de décombres, etc., c'est du dressage. Le chien pour euh, ce qu'on appelle les chiens guides, tu vois. Euh, alors tu as les, les chiens pour malentendants, euh, pour, euh, pour guides d'aveugles, d'accord, mais tu as aussi les chiens pour malentendants, etc. C'est du dressage, tu donnes un travail au chien. Alors après, il y a la manière de le travailler, hein, on est bien d'accord. Un chien, par exemple, utilitaire, c'est du dressage. Tu, tu, tu vois, le chien d'assistance, c'est aussi du dressage. Alors pas tous, parce que tu as aussi la partie de chiens qui sont euh, dit des chiens visiteurs, euh, où on va être dans une phase d'éducation. On vit dans une société. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est important. Donc il a effectivement les deux existent. Moi j'ai fait du dressage pour des films, pour de la publicité, pour la gendarmerie, euh, pour des chiens policiers, euh, peu importe. Tu vois Donc ça oui, j'ai fait du dressage. Euh, par contre. Euh, tous les gens qui viennent me voir, tous les gens que je fais, que je conseille, on est dans des phases éducatives, voilà. Et je t'avoue très honnêtement que j'éduque les chiens, mais je dresse surtout l'humain, voilà. Euh, euh, c'est une boutade. Mais en réalité, c'est vrai, j'éduque l'humain. Tu, encore une fois, quand je te dis, moi, pour moi, en éducation, en termes d'éducation, tu as que deux séances pour le chien pour lui expliquer la marche au pied, le assis, le coucher, le pas bouger, le rappel. Deux séances suffisent. Deux séances de 20 minutes pour un chien adulte. On est à 10 minutes pour un chiot. D'accord? Euh, et après, tout le reste, c'est l'humain. On va, je vais, je vais travailler l'humain sur sur ses angoisses, sur sa façon d'être, sur euh, euh, sa nervosité, sur euh, euh, ses appréhensions. Tu sais, je, je vais te raconter. On a tous des problèmes, tu sais, en tant qu'humain, on a tous des problèmes. Mais tu as des gens, par exemple, qui vont avoir, qui vont développer des problèmes, par exemple de de manque d'assurance, parce que ce sont des gens qui ont été rabaissés. Et donc ça, il faut travailler pour leur euh, faire un travail d'estime de soi, de confiance. C'est ce qu'on appelle de la psychothérapie, en fait, à travers l'animal. Tu vois, mais mais il faut redonner cette confiance à ces gens-là. Euh, tu as aussi euh, euh, des gens qui sont euh, qui, ont, qui ont vécu, si tu veux, euh, des déceptions amoureuses et qui vont faire un transfert sur l'animal. Euh, qui vont être dans l'excès de communication avec lui. Tu vas avoir des gens qui sont euh, vieillissants, qui se retrouvent seuls, à qui on a donné un chien pour communiquer parce que ça fait une compagnie, machin. Tu vois. Donc il y a, y, a, y a ça. Tu as les gens qui sont agressifs les gens agressifs. Euh faut pas t'étonner, tu sais, on dit toujours tel maître, tel chien, que tu es un chien en face agressif, parce que le chien reproduit ce que tu es toi. Donc euh, 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 des gens, par exemple, qui sont gueulards, il y a de fortes probabilités pour que le chien a un gueulard, euh, etc. etc. Quelqu'un qui marche dans la rue, qui est pas sûr de lui, donc tu vois, qui est un peu sur le qui vive etc., ben, tu vas développer deux, deux possibilités. Soit effectivement tu auras un chien qui sera sur le qui vive tout le temps, tu vois, ou alors tu auras un chien qui sera inquiet et craintif, ou un chien réactif, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est deux phases de, 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 de process qui sont différentes, mais qui résultent de, du comportement de l'humain. Donc, euh, l'éducateur euh, que je suis va éduquer le chien pour expliquer au chien nos attentes, éventuellement le restructurer, etc. Et puis, et le comportementaliste canin que je suis règle les problèmes de l'humain. Ça, c'est la vraie phase, c'est la vérité des choses. Aujourd'hui, malheureusement, tu, tu as, euh, et je le dis, c'est vrai, regarde, tu tapes sur Internet, tu tapes éducateur, euh, canin, ils te mettent tous comportementalistes. Et ils te parlent tous du chien. À aucun moment, ils ne viennent te parler de toi. Et ça... C'est un problème. Et puis au-delà de ça, tu as les gens qui, peuvent, qui suivent des formations par correspondance et qui ne, ont eu très peu de chiens en main et ne connaissent pas grand chose et se prennent pour les rois du monde. Euh, là, je te dis de moi, là, par exemple, la semaine dernière, depuis une semaine, là, c'est la troisième personne que je. Il y a une nouvelle éducatrice euh, un, un peu plus loin, dans une commune un peu plus loin, qui s'appelle Compiègne, que. Euh, c'est la troisième personne que je récupère et les gens sont, sont, sont extrêmement déçus, mais, mais en même temps, c'est normal. La, la personne le, le, ne sait que leur parler de suivi naturel. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le suivi naturel. Et le suivi naturel, c'est pas forcément de l'éducation. C'est, c'est faire en sorte que le chien, en fait, te suive naturellement, comme, comme un référent. Et, et, et voilà. Mais par contre, il n'y a pas de structure réelle, tu vois. Donc, donc, faut faire attention à ça. Voilà. Allez, on continue avec quelle est la meilleure façon de parler Quelle est la meilleure façon parler aux chiens, euh, avec une tonalité particulière, des mots courts et simples, ou juste euh, normalement euh, comme on parlerait à un être humain Alors. Euh, c'est une bonne question que tu viens de poser là euh, et c'est vrai que, que, que tu as des gens qui vont te dire « ouais il faut des mots secs, machin, blah, tu vois ». Non, moi j'utilise, euh, je te l'ai dit, j'utilise un langage euh, euh, qui est beaucoup un langage à la fois euh, 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 avec des modulations de fréquence qui vont être des modulations en fonction de ce que je fais, mais le langage du chien, il n'est pas… Si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage du chien, il n'est pas unique. C'est-à-dire que ce n'est pas un chien, genre, ah, euh, euh, on te fait un arrêt sur image, le chien fonctionne. Non, dans le langage du chien, vont entrer énormément de paramètres dans leur comportement, dans leur langage. Alors, je vais te le décrire, je vais te donner et tu vas comprendre. Dans le langage du chien, va intervenir les mimiques faciales. Dans les mimiques faciales, tu as les vibrisses, d'accord C'est les poils que les chiens ont au niveau des babines. Tu as les babines aussi, parce que quand un chien retrousse les babines, bah, il montre les dents, il exprime quelque chose, d'accord Tu as le port des oreilles, tu as le regard. Tu as l'odeur, d'accord Alors, c'est pas je pue ou je sens mauvais dans les odeurs, mais, mais plutôt les odeurs que le chien dégage en termes de, 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 de phéromones, de testostérone, de, de tu vois, tous ces trucs-là, d'inquiétude et machin. Tu as euh, e la piloérection. Tu vois, beaucoup de gens me disent ouais, « mon chien, il a les poils en l'air, c'est un dominant, il est dangereux, il va faire mal ». Non, la piloérection chez un chien est normale. Alors, tu as des chiens qui ont plus de poils que d'autres. Hein, les... on, 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 on voit mieux la piloérection sur certains chiens que d'autres mais, mais en fait si tu veux en réalité c'est un truc c'est un système de, 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 de naturel qui qui consiste en fait à se, à se montrer plus gros que l'on est voilà donc ça c'est la piloérection. mais après tu as la posture et puis tu as le port de la queue et des oreilles ça c'est le langage du chien et les vocalises bien sûr et les vocalises hein, qui, qui sont entre 8 et 11 donc euh, euh, tu as, tu as le, 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 le chien qui est comme ça, oui. Tu, tu vas avoir des chiens qui vont être dans un schéma euh, 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 de communication complexe, mais multiple. D'accord Alors, les petits euh, posts qu'on voit à droite, à gauche, où on te fait un arrêt sur image en te disant voilà, euh, le chien grogne, il est, il, il, ça veut dire qu'il il, il il est dangereux. Non euh, quel est le reste de son langage tu vois Là, en gros, tu, tu, tu fais un arrêt sur marche, tu prends juste le langage de son… De, tu vois, tu extrais euh, bah, comme une phrase que tu extrairais d'un texte qui ne veut rien dire. Donc, il faut, il, faut, euh, il faut prendre le langage du chien dans son ensemble. Un, un, la, je vais te donner une anecdote, mais qui est importante. J'ai une dame, elle, elle m'appelle euh, désespérée. Euh, euh, oui, mon chien m'aboie dessus, j'ai peur euh, à chaque fois que j'ai mon fils dans mes bras, blablabla. Bla, 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 bla. Ben, je lui dis, il vous aboie dessus. Alors, quelle est sa posture Parce que tu vois, c'est ça qui est important, C'est pas le fait que le chien boit, c'est quelle est sa posture. Euh, euh, ah ben, euh, il est là, machin. Ben, je lui dis, mais est-ce qu'il a par exemple le cul en l'air et les pattes avant tendues, euh, euh, tu vois, comme s'il faisait une prière. Et là, la dame me dit Oui, il fait ça, c'est exactement ça, et j'en ai peur. Mais je lui dis, mais madame, ça, c'est une invitation au jeu. Donc, votre chien en vous invite à jouer avec lui parce qu'il est dans un schéma où il a envie d'être dans le jeu. Donc, euh, voilà. Tu vois, il y a plein de choses dans, dans la communication. Et nous, au regard du chien, eh bien, si on lit entre les lignes, je vous l'ai dit, on est des membres d'un groupe social et donc, il va rechercher à, à s'adapter à nous, mais il va surtout ramener tout à son monde de chien. Et quand on fronce les sourcils, on est dans la communication, tu vois. Le regard, c'est une communication. Donc, ton regard… Euh, tes mimiques faciales euh, ton odeur alors encore une fois je reviens sur l'odeur mais pas, pas tu pu ou de ça c'est voilà. mais, mais l'odeur que tu peux dégager quand tu es malade quand tu es inquiet quand tu es angoissé quand tu es énervé etc euh, ta posture, ta vocalise etc. donc là la meilleure façon en réalité de, de, de parler correctement à un chien c'est d'employer la bonne attitude avec le chien donc quand je dis la bonne attitude par exemple si tu te penches pour parler à ton chien, euh, tu auras moins de résultats que si tu te. Tu, tu vois, en fonction de ce que tu veux. Si tu donnes un ordre à ton chien, vaut mieux te redresser que, que de. Ta, tu vois, ça ne euh, sera pas le même sens. Après, les vocalises sont importantes parce que les chiens, les mots, bon, même s'ils si arrivent, on dit, ils arrivent à comprendre des mots, c'est plutôt euh, des associations qu'ils font en fonction d'un certain nombre de situations dont l'analyse a été faite et ça plus ça égale ça. D'accord Donc. Euh, euh, dans les vocalises, quand tu donnes un ordre à un chien, vaut mieux, à, moi, tu, à, les gens crient, moi j'ai plein de gens là, qui viennent des clubs, machin, quand ils, ils viennent euh, me voir pour l'éducation, j'en dis mais arrêtez de crier sur votre chien, ah, mais je ne crie pas, on m'a dit que c'était, non, euh, parle posément, machin, etc. Maintenant, quand tu récompenses ton chien, en fonction évidemment de, 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 du chien que tu as, as avec toi, parce que je te l'ai dit, si tu as un chien qui a, qui a les yeux exorbités de peur… Tu vas pas adopter les vocalises rapides, hautes, etc. Euh, si tu fais bien les choses avec ton chien, tu lui dis ⁇ Oh mon titi, c'est bien mon loulou ⁇ ouais, c'est bien ça, mon pépère, machin, etc. Euh, ⁇ Ce n'est pas la même chose que... Euh oui, là, mon doudou, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut que tu adaptes en fonction de tes attentes, de ce que tu as en face de toi comme chien et comme événement. Donc, euh, euh, la, 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 la tonalité est importante, comme je le dis, c'est les vocalises, et en fonction de tes vocalises, de ce que tu mets en place, mais pas seulement utilise aussi la bonne posture et tu verras que ça va. Si effectivement tu demandes à ton chien de s'asseoir mais que tu te que tu t'abaisse tu vois, bah ton chien va mettre du temps à s'asseoir si tu te redresses, si ça sera plus facilement. Et puis et, et puis plein d'autres choses, tu vois. Si tu dis à ton chien de venir à toi mais que mais tu que tu tu, tu, tu cries, bah il voudra pas forcément venir. Par contre, si tu lui dis viens moi doudou il va venir, ton chien, il va être heureux de venir, tu comprends Donc il faut adapter tes choses. Allez, on continue parce que il y a des questions qui affluent. Alors attends, attends. Remonte, euh, euh, j'ai un petit souci là. Euh, je remonte, je remonte, voilà. Euh, chien réactif, chat, comment faire Alors, euh, Tercam, chien réactif, chat, euh, comment faire bah, En fait, ça, ça, ça veut dire quoi réactif Les chats de la maison ou les chats de l'extérieur La première chose à comprendre, c'est qu'un euh, chien et un chat euh, doivent apprendre à cohabiter ensemble. Et, 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 et ça peut prendre, alors, en fonction de l'âge du chat et de l'âge du chien, mais ça peut aussi influer aussi sur qui était là en premier. Les chats sont territoriaux, et donc, par conséquent, on voit toujours d'un mauvais œil un nouvel arrivant, un nouveau... Euh, c'est un intrus, et, et, et dans son fonctionnement, il n'apprécie pas forcément. Ça, c'est le, le premier cas de figure. Donc, soit tu as un chaton et un chien Dès le départ, ils vont, tu vas voir, ils vont, ils vont euh, jouer assez facilement et rapidement. Ils vont cohabiter très rapidement. Ils vont s'entendre comme chien et chat, euh, euh, avec beaucoup d'affection. Ils vont même dormir ensemble et machin. Bon, maintenant, tu prends un chat qui était là avant, qui est un chat adulte. Tu amènes un chiot. Bon, le chat voit ça d'un mauvais œil, mais en même temps, ce sera plus facile à, à mettre en place en termes de cohabitation, et donc ça prendra en général entre, euh, entre un mois et trois mois. Bon. Maintenant, tu prends deux spécimens adultes, ben, attends-toi à ce que cette cohabitation euh, se mette en place entre trois mois et un an. La condition sine qua non pour que l'ensemble de cette cohabitation se passe correctement, c'est d'avoir le chien et le chat dans le même environnement direct, mais que pour le chat, tu aies des lieux en hauteur où le chat peut s'abriter. Bon. Euh. Si le chat est au-dessus d'une armoire et que le chien peut pas l'atteindre, le chien va aboyer au début, machin, le chat va cracher, mais peu importe. Et au bout d'un moment, bah, le chien va s'en désintéresser et va aller se poser dans une place et le chat lui-même fera ses essais, il descendra, puis en cas de doute, il va remonter, etc., etc. Bon. Euh, ça, c'est les conditions sine qua non. Pourquoi ça met du temps et que ça marche pas toujours comme on le souhaite en en, en claquant les doigts? Bah parce que le chien et le chat, n'ont pas le même mode de vie, n'ont pas le même les mêmes moyens de communication, ils ne se ressemblent pas, ils ne sont pas de la même espèce. Alors, pour la petite info, si tu prends un chat, si le chat est détendu, eh bien, il va marcher la queue haute. Pour un chien, avoir un individu d'un groupe social avec la queue haute peut amener une problématique de comportement et se dire où oh, il peut y avoir un danger. Maintenant, ton chat est énervé. Vous avez tous connu le chat, qui est énervé, il remue fortement la queue. Eh bien, chez le chien, quand il remue la queue, lui, c'est pas de l'énervement, c'est de l'amusement, d'excitation, tu vois. Et, 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 et ce langage corporel est, et, et, est important que l'ensemble puisse communiquer et il faut qu'il s'adapte. Donc, on appelle ça la mise en place d'une cohabitation. Elle prend entre trois mois et un an à se mettre en place et il faut s'armer de patience. Euh, le, le fait d'avoir, si tu veux, pour un chat des lieux en hauteur, euh, d'être protégé, en fait, finalement, va lui permettre à lui, parce que tu sais, les matous, ils sont, moi, je, je sais, j'en ai, j'en ai, hein, tu vois, donc ils, ils sont très regardants, et ils s'observent, machin, oh, ils crachent un peu, ils grognent, tu les entends. Mais le chien, au bout d'un moment, il s'en fout. Donc au bout d'un moment, le chat va va faire, tu vois, il va faire ses essais, il va descendre et tout ira bien. Donc euh, donc voilà. Maintenant, si c'est à l'extérieur, alors attention parce que si c'est ton chat de la maison qui va à l'extérieur, ton chien n'a pas le moyen tout de suite comme ça, immédiatement de loin de l'identifier. Et le vrai problème qui se passe quand tu as un chien à l'extérieur, un chat à l'extérieur, c'est que très souvent, euh, quand le chien veut s'approcher le chat se met à se carapater et du coup, bah, l'instinct de prédation se met en place et le chien va courir derrière. Cela dit, je vais te raconter une anecdote qui est assez drôle. Moi, j'ai déjà vu l'inverse, c'est-à-dire j'ai déjà vu euh, un vieux matou, tu vois, euh, arriver, euh, tu as le chien qui se met à courir, le chat, lui, il fait face, il s'assoit. Tu vois, et il commence à se gonfler. Et là, tu as le chat qui s'est mis à courir derrière le chien, mon gars. Ah ouais, ça, je te jure, que <laughs> ça valait le détour à regarder. Donc, tu vois, c'est vraiment des, des trucs qui se mettent en place de manière progressive. Et et, 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 et voilà. Alors, euh, attends, j'ai perdu mon fil. Ah voilà, c'est là. Bonjour à tous. Euh, fanfan, hop, on recommence. Allez, Fanfan. Euh, les chiens nous, nous apprennent beaucoup. Maya met son museau euh, sur une cicatrice que j'ai. Euh, et qui ne se guérit pas depuis, euh, depuis un an? Et qui, à chaque fois qu'elle met son museau sur la cicatrice, l'infection arrive. Ben, en fait, si tu veux, euh, 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 le chien, à mon avis, il faudrait d'ailleurs que tu ailles voir euh, peut-être un peu plus loin que, que simplement euh, le fait d'attendre que ton chien voie sa, sa, euh, renifle cette cicatrice pour que l'infection arrive. Oui, les chiens, alors tu sais, les chiens sont très malins, mais ont, ont une faculté. Euh, euh, de d'anticiper, de, de, de sentir, de sentir quand on est malade, de sentir quand on n'est pas bien, de sentir tout ça. Donc, euh, euh, fait, faire confiance à l'esprit du chien. Tu sais, tiens, je vais te donner une anecdote. Aux États-Unis, euh, dans les bureaux de recrutement, dans, enfin, dans certains bureaux de recrutement de, de grosses multinationales, et eh bien parfois le recruteur a fait appel à un chien. C'est con à dire, mais, mais il a le chien. Les gens arrivent, machin, etc. Et puis, le chien, en fait, il est, euh, il est euh, comment on appelle ça, euh, euh, il est là. Euh, 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 et, et en fonction de la réaction du chien, bah, tu es pris ou tu n'es pas pris. Tu vois, c'est <laughs> un, peu, un peu con. Mais, mais effectivement, parfois, on fait attention, on fait, on fait en sorte au chien. Mais tu sais que les chiens ressentent un certain nombre de choses. De, de, de choses et, 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 et voilà. Euh, alors, on continue avec… Euh, et allez, je vais finir parce que l'émission devait durer une heure, elle est, elle est déjà une heure et demie. Euh, alors. Euh, fan, fan qui me dit euh, qui me dit dommage sur YouTube pour poser une question, tu as le droit à 200 caractères et euh, c'est un peu limite euh, pour se faire comprendre. Bonsoir à tous, merci Lévi pour ton émission. Mais avec grand plaisir et, 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 et encore une fois, je le répète, vous avez la possibilité de me contacter téléphoniquement. Mes conseils, j'ai bien dit mes conseils sont gratuits. Attention, je ne fais pas d'éducation par correspondance. D'accord Je vais donner des conseils, des astuces. Euh, mais si vous voulez, après, faire enfin, une éducation, un machin, si vous avez vraiment du mal, ben, euh, vous pouvez toujours venir me voir euh, avec grand plaisir. Alors, euh, euh, la question de France Gamin World Pour vous, c'est quoi une bonne formation professionnelle au métier d'éducateur canin, durée pratique Alors, euh, en réalité, je vais te dire tu vois, alors, c'est une bonne question parce que euh, la, la réalité. Euh, la, la bonne pratique, la bonne, la bonne, la bonne formation, c'est d'être pris sous l'aile de quelqu'un. Pas de faire une formation par correspondance, euh, parce que d'abord euh, ça n'a pas de sens et puis c'est beaucoup de procrastination et, 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 et euh, aussi euh, euh, d'erreurs dans leur truc magistral euh, et tu touches très peu de chiens. Euh, euh, la vraie formation, c'est d'être formé sur le, sur le tard. C'est-à-dire que tu, tu, es, tu as euh, un mec qui va te prendre sous son aile, ou une femme hein, qui va te prendre sous son aile et qui va euh, euh, être avec toi, t'accompagner, euh, te montrer. Tu vas travailler des vrais clients, des vrais chiens, des vraies situations, etc. Mais à titre d'information, euh, euh, la durée. Tu vois... Euh, la base même d'une formation, elle peut durer... Euh, du, y a, y a le BP, par exemple, le, parce qu'il y a un brevet professionnel qui existe, elle est sur... Tu as des, certains qui peuvent passer le BP en fonction de leur âge sur un an, mais à la base, c'est deux ans. Et, et puis, euh, quand, euh, tu as... Euh, euh, le vrai, le vrai truc, c'est si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir éducateur, toiletteur, pensionneur, euh, euh, pittiteur, qu'est-ce qu'il y a d'autres, Éleveur El et machin, il te faut, il te faut juste ce que l'on appelle un ACAD. Euh, c'est un certificat de capacité que tu passes, qui dure pour les chiens deux jours et demi, et après tu peux prétendre être éducateur, toiletteur, machin. Tu vois, tu vois un peu la pipe que c'est euh, ce truc-là. Par contre, euh, euh, les bonnes pratiques. Bah, la bonne pratique, si tu veux, elle est. Elle, 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 alors sur cette question-là, euh, la vraie bonne pratique, c'est c'est euh, d'être avec quelqu'un qui va euh euh, euh, t'apprendre les différentes facettes du métier. Moi, tu vois, ça fait, euh, ça fait plus de, de, de 30 ans que j'éduque des chiens. J'ai fait des chiens de film, j'ai fait des chiens de publicité, des chiens de gendarmerie, des chiens d'assistance. Voilà, j'ai eu une, une chance incroyable dans, dans, dans mon existence, c'est d'avoir travaillé avec des professionnels euh, de renom et, et, et des vétérinaires et machin. Maintenant, euh, tu ne peux pas apprendre tout parce que tu ne vois pas toutes les situations. Ça se fait au fur et à mesure. Tu vois, moi, par exemple, je forme des éducateurs. Et, et je forme des éducateurs, mais je ne forme pas des éducateurs euh, euh, dans un centre où je prends 20 personnes et je m'en bats les cacahuètes de savoir s'ils si seront des bons éducateurs, comme beaucoup le font aujourd'hui. Ils te prennent ton fric et le reste, ils s'en foutent, en fait, tu comprends Donc, non. Moi, quand je fais une formation, euh, euh, j'ai besoin absolument de déceler des choses importantes chez la personne. Et donc, du coup, tu sais, j'ai en général entre allez, on va dire entre 30 et, et, et 60 demandes annuelles de gens qui veulent être formés par mes soins, à ma technique, à ma méthode, etc., etc. Eh bien, euh, euh, en général, j'en prends peut-être un par an. Euh, peut-être, voilà, un par an. Et, et pourquoi Parce que tous les gens qui viennent me voir, d'abord, je les sonde, je pars, tu vois. L'avantage d'être comportementaliste, c'est que c'est un peu de la psy, tu vois, et on arrive un peu… Donc euh, Qu'est-ce que je décèle chez les gens Quand je, je prends un, un, une personne qui veut faire euh, euh, éducateur, il faut que je décèle, il euh, euh, y a quatre choses importantes. Une, c'est de l'acquisition, pas de problème, tout le monde peut faire cette acquisition, euh, quelle que soit la méthodologie que tu vas employer, qu'elle soit euh, 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 des méthodologies coercitives, des méthodologies euh, 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 d'éducation positive de, euh, et, 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 et bien d'autres, le clicker training et machin. D'accord bon. Ça, ça c'est, c'est, euh, si tu veux, c'est de l'acquisition et donc euh, on va dire que n'importe qui peut faire cette acquisition. En revanche, euh, n'importe qui ne peut pas devenir éducateur canin ou comportementaliste. Pour moi, il, il est essentiel que, ces gens, que les gens que je forme, je puisse déceler le savoir être, le savoir paraître et le savoir transmettre. Et ça, c'est pas euh, quelque chose qui s'apprend. Tu vois, c'est quelque chose qui doit être dans la personne. C'est quelque chose que tu dois ressentir. Est-ce que c'est une personne qui a du charisme, du caractère? Est-ce que cette personne est capable de, de s'adapter rapidement? Est-ce que cette personne est capable d'analyser et de prendre du recul? Ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et et, 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 malheureusement, aujourd'hui, toutes les formations, parce qu'aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Il faut le dire. C'est un métier qui me commence. Moi, j'ai, tu vois, je suis un passionné. Mais par contre, je trouve que c'est dommage que, qu'aujourd'hui, on puisse apprendre à des gens à, à, à devenir éducateurs Canin à travers un écran et, 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 des, et des catalogues, enfin des, des, euh, des livres ou des machins, euh, en plus qui n'ont ni que des têtes, parce que pour certains euh, endroits, tu vois, moi j'ai récupéré des éducateurs, enfin des, des gens qui voulaient apprendre, qui avaient fait, suivi des formations, euh, je ne donnerai pas les noms, mais il y a, y a au moins trois trucs différents, euh, et, 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 et ces gens connaissaient rien. Mais rien, et, et c'était dramatique parce que je leur pose une simple question, ils sont même pas fichus d'y répondre, alors que c'est le b à bas du métier. Donc, euh, donc c'est important. Donc la vraie, la, la vraie formation, la vraie formation, c'est d'être accompagné par un professionnel qui va te prendre sous son aile, tout simplement. Tu vois, moi j'ai formé des, des gens, et, et, et là par exemple il y en a un, je l'avais formé, euh, ça fait trois ans. Euh, euh, il m'appelle, il y a un truc qu'il ne sait pas, mais, parce qu'il ne peut pas tout trouver, tu vois il ne peut pas tout savoir. Il n'en est pas euh, au nombre de chiens que j'ai éduqués ou au nombre d'humains que j'ai éduqués. Euh, J'en suis à plus de 36 000 chiens éduqués, j'ai arrêté de compter depuis, tu vois mais, mais, mais euh, il ne peut pas avoir l'expérience que j'ai, il ne peut pas avoir le vécu que j'ai. Par contre, moi, je peux l'aider, je peux l'assister, je peux lui, lui dire, bah, écoute, est-ce que tu as mis ça en place Ou alors, euh, dis-moi ton problème, voilà, il m'explique. Je dis, mais, mais en fait, mets ça en place. Le truc machin et il le fait et ça marche donc tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas tout trouver, tu peux pas, c'est pas tu peux faire même un an, deux ans, trois ans de formation. Tu ne peux pas. Moi, ça fait, je te dis, plus de 28 ans que je fais du chien et j'apprends encore. Pourquoi j'apprends encore bah parce que les races évoluent. La vie change, les humains changent, les attentes des uns et des autres, le mode de vie, de fonctionnement change. Il faut s'adapter en permanence et il faut que apprendre tout le temps parce qu'il y a des nouvelles normes, il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux matériaux, il y a des, tu vois ce que je veux dire et tout ça c'est important. Si tu n'as pas ce truc là, parce que bon certains te parlent du clicker, mais pardon le clicker c'est pas une nouveauté, hein. Le clicker, il faut savoir que l'appareil qui fait clic-clic, il date de la première guerre mondiale. <laughs> Pour information, tu vois. Donc, et les chiens, les chiens qui ont commencé à être travaillés dans les trucs, euh, de, mor de mordants, de trucs, ont aussi été travaillés avec le clicker qu'on essaye de nous dire aujourd'hui c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est machin. Non, mais ça fait, ça fait quelques années que ça existe. Après, euh, certains essayent de s'emparer des choses comme certains essayent euh, euh, de, 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 de de raconter des trucs qui sont pas vrais ou faire des images extraordinaires et incroyables et en fait en réalité il euh, n'y a pas grand chose de bien parce qu'on veut faire de l'extraordinaire aujourd'hui machin il faut rester sobre, il faut rester hein. euh, j'ai découvert grâce à des belges d'ailleurs qu'il y avait des gens qui se faisaient payer, des, des pseudo-éducateurs ou éducateurs, peu importe, qui se faisaient payer pour donner un conseil et la dame me dit en Belgique, 65 euros la question. Ah oh, putain, pardon. Euh non, mais on, a, on, est, on est dans le délire. 65 euros la question, il s'arrange pour que tu poses une deuxième question. Tu vois un peu le budget Non, mais, mais les conseils c'est gratuit. Euh, enfin, en tous les cas pour moi. Et n'est pas les conseils qui vont faire que vous fassiez de l'éducation. Les conseils vont vous aider. Par exemple, il y a des gens qui ne sortent plus leur chien. Donc quand je leur explique ce qu'il faut mettre en place, ça marche. Des gens qui ont des chiens qui ont peur, euh, euh, qui veulent pas monter en voiture, des gens qui le chien euh, euh, est inquiet, machin, tu vois ben, Je donne des astuces. Un chien qui grogne à la gamelle, je vais donner. Une astuces etc. Ça, c'est pas d'éducation de c'est des conseils, tu vois Après, l'éducation, c'est autre chose. L'éducation, encore une fois, je te le dis, on éduque l'humain, on éduque surtout, euh, euh, pardon, on éduque le chien, mais on éduque surtout l'humain. Euh, allez, on continue. Euh, L'éducateur canin travaille avec le chien sur durée de combien de temps ben, euh, Ça dépend de l'âge du chien. Si le chien a, 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 est adulte, euh, le maximum qu'il faut travailler, c'est 20 minutes, d'accord Si... On a affaire à un chiot, on est à 10 minutes. Moi, je ne commence pas le chiot avant 4 mois et demi, voire 5 mois. Et au fur et à mesure, je vais rajouter une minute supplémentaire en fonction de son évolution jusqu'à obtenir les 20 minutes. Voilà. Euh, après, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, euh, Nimo qui me dit euh, comment reconnaître les, de bonnes croquettes. Alors. Écoute, c'est une, une très très bonne question. Euh, euh, des bonnes croquettes, elles sont faites avec de la vraie viande déjà. Euh, donc, quand tu lis les, 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 le paquet, euh, va falloir éviter euh, les, les croquettes si tu veux ou, ou c'est euh, la récupération du jus, ou, ou, ou par exemple une, entre une entreprise très, encore une fois, très active euh, euh, en termes de communication, machin, etc., qui vont vous donner des, de l'os broyé, un peu comme les chicken nuggets, tu vois, enfin, c tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans le vrai poulet. Euh, bon, bref, donc des abats, des machins, des trucs, euh, des carcasses, euh, tout mixé, on te rajoute dedans évidemment de la pomme de terre, euh, du maïs et du machin pour donner du volume, mais ça leur coûte pas cher. Par contre, à vous, ils vous vendent ça euh, 50, 60 euros et, 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 et voilà, ils ont fait des, une belle grosse marge. Donc, les vraies croquettes, en fait, si tu veux, les bonnes croquettes, euh, il y a quelques marques aujourd'hui qui se détachent vraiment du lot. Ces marques-là vont faire du qualitatif. Elles sont connues, elles sont reconnues. Il, il faut juste simplement aller chercher au bon endroit. Euh, tu peux me poser la question en, en, en privé, je te donnerai les, euh, au moins 5. Cinq marques top moumoute. Moi, j'ai pas de partenariat euh, avec des marques, euh, mais je te donnerai honnêtement, sincèrement des, des vraies marques, des marques de qualité. Après, tu fais ton choix et il n'y a pas de machin. Moi, euh, comme je te l'ai dit, je n'ai pas de partenariat. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a, y a des, des marques que je ne te recommanderai pas parce que, euh, parce que euh, qualitativement parlant, ça n'a pas de sens, c'est pas terrible. Voilà. Et ce n'est pas bon pour le chien. D'ailleurs, si tu donnes de la qualité alimentaire à ton chien, il y a de fortes chances que ton chien est une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus longue. Si tu donnes de la merde, attends-toi à avoir des problèmes, des problèmes euh, de reins, par exemple, des problèmes, etc. Tu vois, donc, il faut faire attention. Allez, on continue. Je vais faire les, la, les deux dernières questions. Après, on arrêtera, euh, Mais loulous. Mais, mais c'est gentil d'être là. Déjà, je suis très heureux. Et puis, je vous dis, la semaine, j'ai plein d'invités. Je vais vous en parler là tout de suite, mais vous allez voir. Alors, euh, euh, donc, euh, Nature Technique, il me dit, euh, tous les chiens sont-ils capables de déceler de graves maladies ou la mort imminente Alors, euh, euh, honnêtement, sur cette question, je te dirais que je ne sais pas si tous les chiens sont capables. Pour moi, en tous les cas, une grande partie ou une majorité des chiens sont capables. Oui, d'accord Parce qu'ils ont un sixième sens, parce qu'ils ont un odorat très développé, parce qu'ils ont un sens euh, inné. Euh, euh, de, 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 des choses, des appréhensions du danger et de la communication, comme, comme je te dis euh, par exemple quand une femme est, est, est enceinte et euh, eh bien le chien le sait avant <laughs> le, le chien le sait avant donc oui ils sont capables, d'accord euh, après tous, je ne peux pas te garantir ça par contre je pense qu'une bonne majorité d'eux euh, sont capables, oui en effet euh euh, J'espère que vous aurez encore des vidéos à poster sur YouTube. Oui, je, je posterai effectivement des vidéos. Alors, j'en faire. tu sais, euh, je, comme je te dis, entre... Bon, je bosse beaucoup. En plus, je suis sur un gros projet là. Euh, pour ne, Je vais attendre qu'il soit abouti pour, euh, ou signé, en tous les cas, pour vous en parler. Mais, mais je suis sur un gros projet incroyable et ce sera une belle aventure, vraiment, pour beaucoup de, 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 de personnes et d'animaux. Donc, euh, donc euh, oui, mais je ferai des vidéos YouTube. Tu sais déjà, il y en a pas mal. Tu peux aller les regarder. Euh, euh, encore une fois je, je le répète je ne fais pas de vidéo extraordinaire tu ne verras pas ou en tous les cas tu ne me verras pas te mettre des chiens qui vont baver avec euh, ah, 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 tu vois en zoomant dessus un machin en te, en te vendant de la messe ou, ou, ou du délire euh, d'abord parce que je suis seul et que quand je, 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 je fais une éducation je, 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 je vois pas comment je peux me dupliquer pour me filmer etc donc, donc ça je fais pas mais mais bon par contre encore une fois je ferai les, la, la même chose. Alors, pour parler de, de, de des émissions à venir, il y, y a là déjà euh, euh, plusieurs invités qui, qui vont être là. Donc, la semaine prochaine, il y a Thomas Moreau de, de YouCare, euh, qui est un moteur de recherche incroyable qu'ils ont, qu ont créé à deux, euh, qui est, qui est euh, un moteur, euh, en fait, euh, caritatif et qui permet justement bah, des, des, des associations, etc. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Le... Alors, attendez, parce que on sera le 17. Euh, après, on, on, on a. Euh, alors, je reprends les, les, les personnalités, pardon, hein, je suis en train de, de, de mater vite fait dans mes rendez-vous. Euh, donc, ensuite de ça, la semaine suivante, en invité, euh, je vais avoir. Euh, une femme d'exception, une journaliste incroyable, très proche des animaux, euh, qui est euh, euh, une, une fille formidable. Voilà, j'ai pas d'autres mots parce que elle fait beaucoup de choses pour les animaux. Elle se démêle, elle, elle, elle s'appelle Karine Célibert. Elle, elle, elle présente, elle présente aussi, elle, elle est journaliste à la télé, hein, tu vois. Donc elle, elle, elle présente plein de trucs avec les animaux, des nouveautés, euh, du bien-être, du machin. Et, et elle est, elle est passionnée d'animaux, euh, tout comme moi, mais n'est euh, euh, c'est très sympa et, et elle fait plein de trucs parce qu'elle a aussi un... Un, une entreprise de communication euh, euh, et, et de promotion et, et elle fait des trucs formidables et donc ça je tenais à, à la recevoir parce que parce que euh, euh, ça vous permettra aussi de lui poser des questions sur sur euh, sur plein de choses elle connaît très bien par exemple loïc d'ombreval euh, qui est le député sur le bien-être animal elle, euh, tout un tas de, de trucs et puis le 31 le 31 je re, reçois euh, alors ça vous pourrez euh, déjà envoyer à vos amis au machin euh, je reçois euh, mon grand ami euh, Anthony Lemoigne, double champion du monde de canicross, de canivtT, recordman du monde de vitesse euh, en canicross, euh, etc. Donc euh, euh, c'est une pointure dans le domaine du canicross et du canivtT. Il sera avec nous en direct et on pourra, vous pourrez lui poser toutes vos questions sur le le, le canicross, le vtT Vous verrez, c'est formidable. Euh, c'est un mec génial et et, et, et il partagera euh, avec vous les connaissances, sa vision euh, des, des, des chiens du Canicross, euh, les améliorations qu'il peut y avoir, enfin tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est le 31 janvier. Euh, donc vous voyez qu'on a un programme bien chargé à partir de la semaine prochaine et, et, et j'espère, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir participer. Je vous engage vivement, euh, les amis, parce que c'est votre émission et elle ne peut avoir, si vous voulez, une résonance que si vous y êtes. Si vous participez à l'émission, si vous venez poser des questions, parlez-en autour de vous, dites aux gens de venir. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. On fait ça assez chichement euh, en expliquant les, les problématiques. Voilà. Euh, Nature de chien qui me dit un grand merci à toi pour ce live passionnant et merci pour tous pour votre participation. Oui, c'est important. Je le redis. Merci pour votre participation parce que cette, cette émission, elle, elle permet, elle, elle, est, elle existe grâce à vous, grâce à votre partage, grâce à votre, à, à votre présence, à vos questions. Voilà, tout simplement. Eh bien, les amis, je vous dis à la semaine prochaine avec Thomas Moreau. Et euh, you care, donc euh, bye bye, donc j'espère que vous serez là. Salut